comment allez-vous? Coucou! Salut tout le monde! Comment allez-vous, ma gang de malades, Hero Fires, Irag, Seijiki, Galadorian, guys, bienvenue sur le numéro 15 des T-Rex News! Guys, je suis content de vous voir ce Yeah! soir. Tiprulk? What? C'est qui ça, Salut! Tiprulk? Ben, c'est. Non, c'est un typo, là. Le X est à côté du C. Ouais, mais il y a écrit Tripulk. Un très pro. Un très très pro. Ah, Un très guys! pro. Première nouvelle du jour! Première nouvelle du jour! Les alertes ont été ajustées! GG! Non, mais j'étais écœuré que GG! les alertes étaient trop élevées. Tu sais, oui, quand on entend T-Rex, nous, c'est pas si pire, tu sais, en background, on entend bien un petit peu, on entend quand même l'alerte, mais quand t'es dans le gaming, pis qu'il y a une alerte de police, parce qu'il y a un party, un raiding, je suis comme, oh my god! Surtout Yeah. avec le Nato, la dernière fois qu'ils nous avaient raidé, là, j'étais comme, oh shit, on t'entendait juste plus! Fait que je les ai tous achetés. Fait que, comment allez-vous, GG. gang? Comment allez-vous avec vos gros ROAR? Moi, de mon côté, ça va très bien. Et toi, Thibaut, comment tu vas? Ah, ça va bien, ça va bien. Pas une grosse semaine, fait que, yeah, ça va bien. À part, encore une fois, OBS yeah, rip. Mais à part de ça, tout va bien. Toi, t'as de la misère avec OBS, ça a pas d'allure pareil. Ouais, pis tu sais, quand t'étais là, t'as vu, là, tu sais, à un moment donné, il fait comme un pic, puis à un moment donné, tout se replace. Seul. Ben, comme je t'ai dit la dernière fois, il y a des grandes chances que ce soit ton Windows qui fasse des problèmes. Des fois, c'est. Peut-être. Ça, j'avais pas pensé, pis ça se peut bien. Tu sais, des fois, là, comme des fois, à un moment donné, j'avais mon PC Alienware, quand j'ai. Tu sais, on s'entend qu'il était bon pour streamer et des affaires là, au début. Mais aussi, j'ai mis à Windows 10, ben. Il a descendu du niveau performance. Mais il y a des mises à jour aussi qui fait ça des fois. Puis là, actuellement, il y a Windows 10. Il n'existera plus d'autres versions. Il faut juste rester Windows 10. Mais il commence à mettre des. Yep. Il fait des grosses patchs qui remplacent la version complète. Donc, ça se Ouais, peut. puis là j'ai lu un peu là-dessus là justement. Je suis pas tout seul qui a eu des problèmes là. Il y en a une couple d'autres que c'est forum de Reddit que j'ai lu que depuis le Creative Update là, de Windows justement qui ont eu des problèmes avec OBS. Fait que Oh, c'est pas impossible là. ça se peut très bien. Je suis rendu là. J'attends soit un update d'OBS ou de Windows là. Dans les deux cas, t'attends quelque chose. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, voilà. Puis que les prix des cartes graphiques baissent. Aussi, ça c'est le plus important, c'est que ça baisse, parce que Ouais, c'est. c'est ça, exact. Ah, c'est n'importe quoi le prix que ça coûte. Comment ça peut coûter cher une carte graphique? J'ai regardé le C'est prix ridicule. d'une 1070 comme j'ai actuellement, c'est rendu 750$, je l'ai payé Ah, c'est 500$. ridicule. C'est ça, tu sais. Puis non, tu sais, moi, je regarde plus une 1060, puis c'est ridicule, là. Je vais payer, c'est ça aussi, un 6700, là. C'est ridicule. C'est ça pour être 10 au saut. Damn! Oh oui, c'est les mêmes prix qu'une 1070, c'est ça que je regardais en ce moment, là. Ben dans ce temps-là, pour une 1070, tant qu'à avoir le même prix. Ouais, mais avec le vrai prix, ça sera pas le cas, là. Tu veux dire, ça va être, la réalité va être que la 1060 va être vraiment moins chère. Mais en ce moment, c'est ça. C'est la triste réalité du moment. Hero Fire est comme mort de rire, une chance que je ne fais pas jamais mise à jour Windows, seulement celle de mes pare-feu et mon VPN. Yeah, non, moi, j'ai activé les mises à jour automatiques parce que, c'est ça. Parce que vu que je voulais pas que ça parte en stream, puis je voulais pas être derrière à cause de la sécurité. Fait que, Bah, au moins. Mais Triste sinon, réalité. moi pour ma semaine, hein, honnêtement, j'ai. Lundi, je sais pas si t'étais là en live, je veux pas lundi. Yep. J'ai bien aimé mon live de lundi, sérieusement, faire un. J'ai parti en IRL juste de même comme ça, puis je me suis dit, ben on va parler, on va jaser seulement, puis tout. Puis finalement, ben j'ai dit, ben, pourquoi pas inviter une personne à parler avec, tu sais. Ben, des fois, on est quand tu parles Ça pendant une peut heure, te relaxer. t'as comme rien à dire après une heure de temps. T'es comme. Ben, t'as des affaires à dire, mais. C'est plus comme au début quand tu viens de lancer le live, tu t'as parlé avec le monde pis tout. Après ça, en streaming, le problème c'est que la page blanche est pas très intelligente. Ça sert à rien pis c'est pas bon. Fait que, t'invites une personne dans le chat, pis tu parles avec pis tu jases avec. C'est fucking cool. Tu penses plus ou que, même si t'es tout seul sur le stream, ça change plus rien, tu parles quand même avec une personne pis t'as du fun pareil. Fait que, à refaire honnêtement, je vais refaire ce. Je pensais peut-être même le mettre à tous les lundis cette affaire-là, comme ça, Ça me j'aurais. faisait un peu penser au concept de Radio Libre, là, chez Bob. Ah oui, ben c'est le pire, c'est que je me suis Mais, dit qu'il y en a du monde qui allait penser c'est que c'est. pas. Ben non, mais c'est pas la même chose parce que Bob, lui, invite comme des streamers déjà établis, genre. Ah non, moi c'est pas ça que je fais, moi je fais juste pas inviter les personnes dans le C'est chat un qui peu veulent comme un jaser. T-Rex show, mais plus relax, genre. Exact.
Pareil. Un mini T-Rex show, si on veut. Exact, t'as tout compris. Ben, c'est pas mal ça, j'ai trouvé ça le fun. Ligne ouverte Natrix. Hey, c'est pas bien comme nom! Hey, c'était pas bien comme nom, ça, sérieux. Là, tu te pognes, là, faudrait que tu changes tes lunettes, là, que tu pognes comme des lunettes, là, à la Jean-Luc Mongrain, là. Fait que là, tu sais, mané, une fois de temps en temps, là. Un coup de poing, c'est le but. Allô? Fil de lumière? Il est plus en faut t'entendre une couple de coups de poing sur le bureau, pis tu te fâches, pis c'est ça. Non, ça serait drôle. Oh my god. Ben oui, ben chant bon nom. J'avais pas pensé à ce nom-là. Tu laisses pousser la moustache comme Jean-Luc Mongrain. Bon, je suis pas sûr de me faire pousser la moustache comme Jean-Luc Mongrain, mais. Ça serait. Le nom m'intéresse, par exemple. Fait que, guys, toi de ton côté, comment s'est passé ta semaine, mon cher Tiprou? Ben hier, c'était cool, j'ai quand même venu à bout de jouer à Rocket League avec le beau Mantle. On s'est fait du fun pour le temps que ça a duré, j'étais quand même capable de streamer pendant une bonne heure et demie avant que OBS commence à surchauffer, si je peux dire ça comme ça. Pour de vrai? Sinon, mais la semaine passée, j'ai commencé ma série de rétro de Mario, Super Mario. Fait que, yep, c'était cool, je me suis replongé dans le Super Mario World, qui est le premier jeu que j'ai jamais détenu sur une console. Alors, je pense que j'avais 8 ans. J'ai eu une SNES avec la version Super Mario World, en fait, de la SNES. Fait que c'est depuis ce temps-là que je gagne. Fait que c'était bien cool pour moi de retomber dans ce jeu-là. Faisait longtemps que j'avais pas joué. Fait que c'est pas mal ce qui s'est passé de ma semaine. Sinon, ben on a, je pense, oh, c'est ça, on a joué ensemble un petit peu à la GTA. Upstream. Yes. Oh, on a yeah. fait un heist hier. C'était bien cool. Hier? Non, avant-hier. Avant-hier. C'était bien cool. En fait, yeah. On va t'avouer là, je voulais plus le faire en live le jeu GTA 5 justement quand on était, le dernier stream, parce que justement on était coincé dans un ace qui me commençait à me gonfler en tabarnak. J'avais le goût de coller le jeu puis le vendre sur internet. Mais non, c'est une joke, mais je veux dire, il gonflait en ST, j'étais écœuré. Fait que c'était une des raisons pourquoi je le faisais plus en live. Mais maintenant qu'on s'est débloqué, guys, probablement le faire éventuellement bientôt là. Fait que je vais juste rentrer mon mot de passe sur ma session pour que tu puisses te connecter éventuellement parce que je viens d'allumer le PC. Puis on va démarrer ça, guys. Cette semaine, il y avait pas beaucoup de news, mais aujourd'hui ils viennent de trouver plein, fait que ça a tout planté mes plans. Fait que je voulais pas parler de ces affaires-là au début, mais après quand j'ai vu toutes les affaires qu'il a fait, oh my god, oui je vais parler de ça. Fait que il y a plus de revues que d'autres choses. Je suis totalement lonely sur le. Bonsoir HeroFire, malheureusement le SR ne fonctionne pas. En fait, le T-Rex News pour t'expliquer HeroFire, c'est juste, si tu vois le Discord, il y a une section qui s'appelle T-Rex News. On met des, en fait tout le monde peut en partager, mais actuellement il y a juste Isa qui participe à ça, c'est ça qui est un peu plate pour elle pareil, parce qu'elle fait juste être la seule. Si tout le monde participerait, ça serait cool. Ouais, mais c'est la meilleure. Ouais, c'est la meilleure. On peut pas dire l'inverse, c'est la meilleure. Mais tu sais, il sert à ça en tant que tel, cette partie-là, c'est pour partager les news que vous trouvez sur le web. Et même si vous voulez en parler, vous avez juste à écrire, est-ce que Natrix, je peux participer au T-Rex News avec cette news-là? J'aimerais ça en parler, c'est intéressant, on va vous inviter. Ça peut être complètement insolite, là aussi, là. Ça peut être quelqu'un qui a battu le record du monde, qui a fait le plus gros pet du monde, n'importe quoi. C'est pas le plus gros pet, là. Là, j'ai du caca. Ben, on veut dire... Le T-Rex News sert à juste parler des news, la sorte de la semaine, qui a rapport avec la technologie, le web... Il n'y aura pas que les films, la série, même je te pensais même peut-être mettre les mangas, s'il y a du monde qui parle de mangas, ça ce serait pas dans le cours. Ouais, mais ça, oubliez-moi pour cette section-là. Sinon, la section gaming, qui est la section principale. C'est sûr, mais je suis open d'en parler pareil. Tellement. Ouais, moi j'ai pas trop avec ça, c'est juste que c'est ça, c'est pas moi qui vais en parler. Je l'ai fait cette... Ah, arrête, j'ai déjà écouté le 20h de Netflix. Il pour le pire, c'est qu'il va y avoir 4h éventuellement, guys, bientôt, j'en prévois un. Faut juste que j'aille les dates des invités que je vais inviter pour le 24h, parce que je veux pas, je suis tout seul sur la chaîne, basiquement, donc il faut que j'aille du monde pour me backer pendant le 24h. Je vais pas faire basiquement. Ça. Basiquement! Chut! Laisse mes mots scientifiques sortir. mangeur de tournée de concombre du monde. Fait que, mon petit prou, Isa devrait pouvoir t'envoyer le code. Puis l'identifiant. Moi, parce que je t'ai pas encore rajouté dans mes affaires. Moi ça. T'as-tu créé un compte sur TeamViewer? Moi? Ouais. Non. Ah, ben, tu t'en créeras un d'ici cette semaine.
C'est ça, en passant, c'est Jiki, tu dis no life, mais arrête, moi j'ai déjà écouté la saison de Buffy contre les vampires, une série assez vieille. J'ai écouté les saisons 1 à 7 en une fin de semaine. C'était assez quelque chose. Je peux pas écouter 1 à 7 en une fin de semaine, d'où c'est 24 épisodes de 1 heure chaque, pas assez de temps dans une fin de semaine pour écouter. Je veux dire en une semaine en fait. C'est physiquement impossible. Physiquement impossible, même scientifiquement impossible, parce que c'est scientifique le temps, fait que... Temporellement impossible. Hey, shut up, et ton affaire là! Les gars vont finir par un jour se rendre à la fin. Yeah. Hey! Quoi? Non, regarde, c'est le GK qui a dit, je remets aussi la médaille du No Life à Natrix! Va chier. Mais en fait, c'est juste que je peux dire... C'est pour, je pense qu'il y a une chose qu'on peut se permettre, par exemple, vu que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde dans le chat. En ben, il y a du monde. Ce que je veux dire, c'est dans le sens, il y a des chaînes qui font des news aussi une fois de temps en temps, puis qui en ont 300-400, puis qui parlent tout le temps de ça, fait qu'ils peuvent pas permettre de lire tous les commentaires. Mais vu que vous n'êtes pas beaucoup dans le sens qu'on peut être capable de se permettre de les lire, s'il y a des commentaires intéressants qui sont drôles, puis qu'on est dans un petit temps mort, on peut dire, entre deux personnes, sans disturber une personne entre moi et Tipourou, on peut vous répondre en vocal aussi. Ouais, c'est juste qu'on répondra peut-être pas à toutes parce que sinon on va être encore ici demain matin. Exact. C'est juste en fait. Mais on vous répond dans le chat par contre. Fait que yep. Guys, la première news en fait, c'est pas une news, c'est une news en même temps d'être un review, mais je peux pas mettre la review honnêtement parce que j'ai pas fini le jeu, j'ai pas avancé extrêmement loin, j'ai juste été au début, mais ce que j'en pense du début, Colin guys, sérieusement là, j'en pense beaucoup de choses, puis vous allez voir dans un instant. Fait qu'on parle! Puis je pense que Isa pourrait même pas. Je vais même ouvrir le micro à Isa pour qu'on en parle parce que je pense qu'elle est rendue plus loin que moi en plus de ça dans cette affaire-là. Fait guys, on va parler. Bis. Actuellement, les changer de la scène. Des Sims Mobile. Le jeu est sorti officiellement hier sur mobile. Grâce à Isa, je le sais, sinon je ne l'aurais jamais su. Ouais. Il est sorti hier, mais Isa m'a envoyé un texto aujourd'hui pour me dire qu'il était sorti. J'étais comme. T'es en retard! Tellement en retard. Wow. Mais sérieusement, moi, je vais vous avouer, j'ai bien aimé le jeu. Je peux pas dire l'inverse, j'ai bien aimé le début du jeu à date. Mais je trouve qu'il s'oriente comme un tutoriel tout le long du jeu à date. C'est vraiment... Ça, c'est parce que t'as vraiment pas beaucoup avancé. Ben, j'ai avancé jusqu'au level 3 ou 4. Oui, mais c'est encore le début, là. Mais je veux dire... C'est pas comme dans les vrais, dans les Sims sur PC, comme tu peux changer de personnage, tu peux créer plusieurs familles, des affaires là. Mais c'est cool parce que tu peux aller revoir, voir tes amis qui ont fait une maison sur les Sims. Ça, c'est une affaire que j'ai trouvé cool. Mais la partie que j'ai le plus préférée, pour ma part, je sais pas si pour Isa c'est la même chose, mais pour ma part, à moi, ce que j'ai préféré, c'était le côté du travail. On dirait comme une extension du travail dedans. Ben, c'est le fun de pouvoir voir son Sims au travail parce que c'est pas le cas dans toutes les professions sur les Sims 4. Par contre, une affaire qui est poche, c'est que t'es même pas avec, maître. Même avec l'extension? Avec les professions des Sims 4, tu peux, mais les carrières de base des Sims 4, non. Sinon, il y a trois professions. Ah, ok, Même ceux-là sont pas intégrés dans le DLC. Dans les Sims 4? Faut que t'achètes... Ouais, les carrières de base, j'aurais pensé qu'ils auraient intégré dans le DLC, quelque chose de même. What the fuck? Faut que t'achètes un DLC pour pouvoir accéder aux carrières. Que là, t'es vraiment avec ton Sims dans sa job. Faut que tu payes, dans le fond. Anyway, qu'est-ce que tu disais? Ça va arrêter ça. Je disais que dans les Sims 4, pour pouvoir jouer avec ton Sims pendant qu'il est au travail, faut que t'achètes un pack profession. Ouais, mais c'est ça, je disais, mais là, tu me disais pas que les professions de base, on les voyait pas dans le DLC, exactement, c'est juste les professions du DLC? Et c'est ça, ouais. T'as le choix entre une carrière ou une profession dans les Sims 4. Okay. Mais ouais, sur non, le Sims mobile... Tu commences en tant qu'au début, soit tu fais des cafés, ou avec ton coloc, tu vas devenir cuisinier, mais tu commences vraiment en bas de l'échelle. Mais c'est toi aussi qui sélectionne les actions. Puis comme dans tous les jeux mobiles, ça te donne des tokens, puis des tokens, tu peux les dépenser. Puis ça te dépense aussi des points d'énergie. Tu as 30 points d'énergie par Sims, puis plus tu fais des actions dans ta job, tu dépenses ton énergie, donc il faut que tu attendes, tu sais, que ça t'en donne au tel nombre de minutes, comme dans n'importe quel jeu mobile. Ouais, c'est ça, exactement. Sauf que... Okay. Ouais, vas-y. Fait qu'en résumé, c'est très simple, il faut que tu payes pour avancer plus vite.
Comme dans n'importe quel jeu mobile, exact. Ça c'est normal. Comme les Sims City, n'importe quel jeu. Parce qu'il est gratuit, right? Ouais. Ouais, exact. Il est gratuit, okay. Ouais. Mais c'est vraiment bien comparé à Sims Freeplay, oh, je trouve, oui. Parce que ça, je trouve que ça fait un meilleur clin d'œil aux Sims qu'on connaît sur les consoles et PC. Ben juste ici, niveau graphique, je sais pas, à part se montrer à la gueule, je sais pas si ça fait d'autres choses, voilà. On le voit, tu sais, même le niveau de... Ben jusque là, ça m'allait, hein? Ben je veux dire, déjà partant, tu vois qu'on peut personnaliser le personnage, il y a des personnalisations, ben des affaires que tu peux faire de plus. Waouh! C'est JK qui veut battre le top beater de la semaine. Fait que ça ressemble pas mal à ça, les personnalisations de personnages qu'on voit ici. On peut y avoir arrangé les cheveux, les yeux, tout au complet vraiment pour personnaliser le personnage au complet. C'est le début que j'ai un peu turn off parce que c'est vraiment un tutoriel. Pis... C'est normal. Il Mais... faut qu'il te montre comment ça parce qu'il y a beaucoup d'options. C'est exact, je pis, sais, c'est normal. T'es pas maître de ton histoire. Ça, c'est un point que je trouve poche. Genre, t'as comme plusieurs stories que tu peux suivre avec ton Sims. T'as des stories de carrière, des stories de loisirs, puis des stories de relations avec d'autres Sims. Puis là, j'ai une histoire de badge aussi. Quand que tu rencontres un Sims qui a été créé par un autre utilisateur, il va avoir son espèce de diamant, là. Il y a un nom pour ça, j'ai un gros blanc de mémoire. Puis là, ça veut dire que c'est un Sims de quelqu'un d'autre. Tu peux l'évaluer, genre, t'as-tu l'air cool, t'as-tu l'air hippie, t'as-tu l'air... Ah, ça c'est une partie cool, ben. Tu donnes des stamps. Puis durant la semaine, si t'as reçu un tel nombre de stamps par le monde qui joue, tu gagnes des objets bonus. Ça m'est pas encore arrivé encore pour l'instant, hein? Je viens juste de commencer. Ben, j'espère, c'est une bonne semaine qui est sortie. Fait que, il est fun par curiosité, mais pour avoir suivi plusieurs groupes de Sims sur mon Facebook aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui sont déçus. Ben, moi je suis déçu pour ouais. La première chose, comme je disais, on dirait que c'est une histoire qu'il faut suivre absolument, tu peux pas personnaliser ton histoire comme tu disais tantôt. Là. Ça c'est la chose qui m'a plus déçu. C'est pas comme le mode sandbox de les Sims qu'on connaît. Exact, c'est pas le même. Mais c'est au niveau graphique par exemple, comme vous pouvez voir, ça ressemble pas mal mieux. Ben là, il peut zoomer à capturer le mobile, là, mais je veux dire, techniquement parlant, plus petit format, c'est beaucoup plus beau. Les graphiques sont pas les... Ouais, ça c'est normal. Là. Oh, il rappelle plus le Sims. Quand même. Tu sais, je veux dire, même si ça reste que c'est juste les Sims, puis que graphiquement, c'est pas super demandant, il est beau pour un ouais. Jeu mobile. Ouais, il est beau. Ouais, la même chose que moi. Mais regarde là, elle a des petites boucles de boucou. Non, mais ta gueule! C'est vrai, c'est juste ce que tu dis. Ça ressemble au premier épisode dans Black Mirror où est-ce qu'ils vivent dans un monde que tu évalues, tout le monde que tu connais, là. Mais tu rencontres. Ce que j'aime bien, c'est ça que j'aime. T'sais, c'est sûr que tous les jeux mobiles sont pratiquement pareils à ça, mais moi j'ai quand même pas aimé ça, j'ai trouvé ça un peu poche parce que il me semble que sur les Sims free to play tu pouvais le faire et c'était vraiment free to libre. C'est que si tu cliquais sur l'objet, ben ça faisait pas couchou, directement l'objet, ça te faisait marcher dans la maison puis tout de suite arrêter de se téléporter. Ah oui, c'est vrai à ce niveau-là, sauf que là t'as vraiment un système de personnalisation. Et aussi, il y a encore les caractéristiques de ton Sims que tu peux choisir aussi. Tu peux choisir s'il est généreux, s'il est chanceux. Ouais, ça, je me suis rendu jusqu'à là. Puis c'est à patapat qui pète, pouf! Contrairement au Sims Freeplay, où est-ce que tu crées un Sims, tu crées une femelle, ah, ils ont un bébé, là, toi, tu vas être cuisinier, toi, tu vas être. Les Sims Freeplay, c'est que tu gères vraiment un village de Sims. Là, tu vas gérer une maison de Sims, parce que rendu à un certain niveau, il t'oblige à avoir un coloc. Ça m'a fait chier, je voulais être tout seul. J'étais obligé de me créer un coloc. C'est coloc. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est okay, ça. T'es vraiment pas en sandbox. Non, t'es pas du tout en sandbox, t'es vraiment sur une affaire. Est-ce que ça va changer? Là, tu sais, la chose à ça, si tu posais comme question, ça vient juste de sortir. Est-ce que ils vont venir à mettre à jour pour que ça puisse être sandbox? C'est la question à se demander qu'on va voir avec le temps. Pour l'instant, je suis pas déçu du jeu, tu sais, je suis aucunement déçu. Peut-être qu'ils vont faire une version payante. Peut-être, mais ça va être. Pour avoir legit une version mobile, pour avoir legit une version mobile de The Sims. Arrête de regarder la femme Tipou, ben, ça fait pas gayer. Sims 4, Tipou, il existe sur mobile. Le jeu Sims 4? Tu peux l'acheter. Le jeu Sims 4? Sims 4 ou Sims 3, peut-être Sims 3. Mais il y en a un que tu peux l'acheter.
Guys, by the way, est-ce que vous entendez bien Izia? Très bien, dans le sens que c'est comme si ça serait à côté de moi, parce que je sais que normalement, j'ai ajusté son micro pour qu'on l'entende mieux, mais que moi je l'entends pas. Fait que... Ah non, même il est gratuit, Sims 3, ce mobile il est gratuit. Sims 4 n'existe pas encore, par exemple. Fait que c'est pas mal de ça, guys, pour la... on l'entend super bien, mais dans ce cas c'est cool, je vais pouvoir laisser son micro activé. Oh. Je pense que Tipo va être encore débordé de regard, guys, je vais vous montrer pourquoi, regardez-moi ça. On la voit en plein écran maintenant. That's why Tipo est comme, oh my god. Mais non, mais arrête là, elle doit avoir 16 ans. Ouf, non, 22, 23 gros max. Ah, ben tant qu'elle est majeure. Ouais, c'est sûr qu'elle est majeure, Chris, si tu regardais à la face, ça n'a pas de l'air d'une fille de 2 ans non plus. Ben, elle a l'air fucking jeune. Ouais, comme à ma job, il y a une fille qui a l'air super... J'arrive sur 30 ans, hein? Oh, sacrément, c'est vrai. Je suis sûr à ce propos-là. Pauvre petit prou qui est rendu à 30 ans bientôt. Je t'emmerde, je suis rendu juste à 27 ans! Il y a quoi... Ben, moi, j'ai pas encore toutes mes dents, par contre. J'ai une dent pétée. Ok. Chris, t'es pas vrai, toi? Hey, Wolpie, comment tu vas, dude? Bienvenue sur un T-Rex News. Je sais pas si t'es déjà venu sur un T-Rex News, par exemple, Aristote. Fait guys! On a fini un review sur les Sims. Honnêtement, c'est le premier review qu'on fait en tant que tel qui est vraiment focus sur un review. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas. Dans le sens qui est pareil comme un review. Là, je vais vous laisser la parole à mon cher Tipou, parce que c'est lui qui va parler d'un événement qui s'en vient bientôt. Je sais pas c'est quoi, j'ai vu la publication sur Discord, mais j'ai pas été voir plus loin. Fait que je vous laisse avec Tipou, guys. Pendant ce temps-là, je vais me chercher un verre d'eau, laver mes lunettes, et je reviens. Puis il va parler pendant ce temps-là. Fait que je te laisse là-dessus, mon Tipou. Yeah, ben en fait, je vous parle pas de un, mais de deux événements qui s'en viennent cette semaine. Je vous parle premièrement du Inside Xbox qui se passe le 10 mars, donc samedi qui vient, à 15h, heure du Québec, 21h heure de France. Je vous passe le trailer, guys, je vais couper le son, mais je vous passe le trailer. On a des annonces pour ce qui est de Sea of Thieves, PUBG, Far Cry 5, Duke, qui serait, je pense, une espèce de rétro-activité pour la première Xbox. Rétro-compatibilité, en fait. Et on aurait des annonces pour les Game Pass, puis d'autres annonces qui s'en viendraient aussi. Fait que ça, c'est du côté de Xbox samedi qui vient. Pour ce qui est de Nintendo, on a aussi le Nintendo Direct qui s'en vient pas plus tard que demain. Vous pouvez déjà aller vous mettre en attente sur le site de Nintendo ou bien sur la chaîne Twitch de Nintendo, le Nintendo Direct et YouTube aussi vont être en live sur les trois plateformes. On a des annonces pour les jeux de Nintendo Switch et de 3DS, entre autres, et ce serait la grosse annonce en fait pour le Nintendo Direct de demain. By the way, c'est à 17h du Québec, 23h heure de France. La grosse annonce serait le Mario Tennis Aces. Ce serait le gros hype pour le Nintendo Direct. On le voit justement qui est marqué juste là. Ensuite de ça, ce qui s'en vient pour les annonces du côté de Nintendo dans le Nintendo Direct. Il y avait Dark Souls Remaster et Donkey Kong Tropical Freeze qui avaient été annoncés au Direct Mini de février. Fait qu'on s'attend aussi à des rumeurs de ce côté-là, qu'il y aurait eu une autre annonce pour ces jeux-là. Aussi, on a des rumeurs d'un Pokémon RPG qui s'en viendrait sur la Switch et d'un trailer de Metroid Prime 4, mais ce ne sont que des rumeurs, fait qu'on s'énerve pas personne. À part de ça, t'sais, ça reste un show d'une demi-heure, fait que c'est juste des rumeurs. Il y aurait peut-être une autre annonce aussi pour le Nintendo Labo qui s'en viendrait cette année. On avait parlé de Year 2 de la Switch pour Nintendo Labo. On y est. Fait que c'est ce qui devrait être annoncé du côté de Nintendo Direct de demain. Je vous rappelle, 17h heure de Québec, 23h heure de France. Et c'est à quelle heure au Québec, troisième... tu disais? 17h. C'est 5h, ça, right? Ouais. Ouais, exactement. Ah, ça se peut dire que je pourrais l'écouter, le mettre en live en même temps? Je sais pas si tu pourrais. Ouais. Oui, on va. Oui, t'as le droit de streamer. T'as le droit de streamer. Il est sur Twitch et YouTube, tu disais, c'est ça?
Ouais, puis sur la le lien dans le fond, là, sur la chaîne directe de Nintendo aussi. De Nintendo, évidemment, ouais. Ouais. De Nintendo, il y a un petit panel marqué 03.08.2018. Vous cliquez là-dessus, c'est directement le feed que je viens de vous montrer. Wouh! Troisième petite nouvelle. Petite nouvelle en rafale aussi, là. La saison 5 de Rocket League commence ce week-end, guys! Fait que ce week-end, 15h, heure du Québec, 21h de France, twitch.tv/Rocket League, on va avoir les premiers matchs de la saison 5. J'ai pas vu c'était quoi le match-up, j'ai pas vu le match-up pour ce qui est de ce week-end. Probablement que ça va être encore un week-end de qualification, week-end ou peut-être d'exhibition, là, vu que c'est la première de la saison. Fait que c'est sûr que samedi, cherchez-moi pas, je vais probablement même hoster la chaîne puisque je suis là-dessus. Samedi, je te chercherai pas quand même, on va être au meet-up, esti. Oh, tabarnak. Ben pendant le meet-up, je risque d'être un peu sur mon sel. Mais normal, tout le monde va être sur l'ancien. Non, non, même pas, gars. Hey, c'est à 3h puis le meet-up est à 5h, on est correct. Chez vous, je vais être sur mon site. Non, le meetup, en fait, est à 6h. Sur Facebook, ils ont marqué 5h, mais sur le meetup, ouais, mais je risque d'être chez vous avant ça. Fait que, anyway, je vais être sur mon site chez vous, d'habitude. fait que c'est ça. En fin de semaine, 3h, la saison 5. Je suis vraiment hype. J'ai déjà fait mes ranked de la saison 6. Non, EA Sport Talking. Fait que, yep, c'était mes trois petites nouvelles en rafale pour ce qui est du gaming, guys. Parenthèse, quand t'as parlé de samedi, moi, ma sœur est à Montréal, puis elle est en train de me demander si je veux passer l'après-midi avec elle. Donc, ça se pourrait que Natrix et toi, vous soyez tout seul chez nous. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous pourrez faire un live ensemble, si vous voulez. Tellement! Tellement, mon doux petit fouguetteur! Il a tellement été pris sur le bouton, là, de son effet. Wow! Ah, mais ce serait cool, sérieusement, faire un live pour tout petit brou. Ben oui, pourquoi pas. T'aurais accès à mon PC, au PC, si vous voulez jouer ensemble. Tellement. That's it. Non, mais je t'avais challengé un Just Dance, on pourrait se faire ça en fait. Oh! Tellement! On se fait un Just Dance samedi, man, fuck off. Fais ça le soir, on challenge accepted. Ouais, on risque peut-être à faire la aussi. Pas grave, ça, on va avoir du fun samedi. Ah, moi, je pensais que j'allais trouver plate le samedi, mais on l'a trouvé cool finalement. Ben oui. That's it. Ben oui, mais parlant du meet-up, guys, si vous êtes dans le coin de Montréal puis que ça vous adonne de passer, venir nous dire un petit bonjour, ben moi et Natrix et Izia, on va être au meet-up à Montréal. C'est au... attends un peu, j'ai un blanc. C'est pas au blanc, c'est au Meltdown, Montréal. Ton Meltdown, ouais, c'est Meltdown, ça. Ouais, sur Saint-Denis. Ouais. Okay. Ça risque d'être plus intéressant que la dernière fois, en tout cas. Ça va être nice. À date, j'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de streamers qui avaient confirmé. Non, mais... d'habitude, c'est ça que ça fait. Il y a personne qui confirme, puis tout le monde se pointe. Sur là, le lien que je t'ai envoyé, le deuxième lien, yep. Genre, tu vois qu'au premier... pas le premier, mais le deuxième meet-up qu'il avait fait au mois d'août, il y avait une trentaine de personnes. Après ça, en décembre, une trentaine de personnes qui avaient aussi confirmé, puis qui ont été. Là, à date, il y a 50 personnes de prévues. Ah bon, fait que ça devrait être quand même assez big. Yep. Ben, moi, comme j'ai dit la dernière fois, j'avais été déçu la première fois que j'avais été. Mais espérons que cette fois-ci, c'est moins pire, là. Mais bon, ça peut toujours être meilleur que ce que j'avais déjà vu. Là, on va... Moi, c'est pas une question de quantité de monde qui m'avait découragé, mais dans le sens que je le trouvais un peu plus plate, c'est le fait que... Tu sais, c'est comme quand tu vois une réunion pis tu vois des vedettes arriver, ben tout le monde se jette les vedettes. Ben, c'est pas mal ça qui arrivait aussi que Bass pis Zappa sont arrivés, pouf, tout le monde est parti là-bas. On les voyait plus. Yeah. Ben c'est là que je commence à trouver ça un peu plus plate. Hein? What the fuck, c'est quoi ça? Ben c'est ça, faudrait que tu re-switches d'écran, j'ai oublié ma dernière nouvelle gaming. Bah ben c'est bien correct mon cher ami, j'ai pas switché rien encore, je suis encore sur le main. J'ai une petite nouvelle pour vous autres, guys, on parle depuis longtemps de... On parle depuis longtemps de GTA 6. Ce serait annoncé. Ce serait des rumeurs, des grosses rumeurs en fait. Pour GTA 6. C'est un leak qu'il y a eu du côté de VG247.com qui est un site un petit peu de justement à potin, des choses comme ça. Fait que, écoute,
je prends ça à, mettons, 80%, 20% false, là. Mais bon, d'ici 2022, on aura un nouveau GTA qui, c'est toujours des rumeurs, guys, ok? Rumeurs, en gros, caps, et mettez des étoiles à chaque barre, ok? Rumeurs. On aura un retour à Vice City, dans le sens qu'on serait sur la même map, ou ce serait une espèce d'hybride, dans le sens où on aurait des flashbacks de Vice City avec les mêmes personnages ou des liens de ces personnages-là, versus un nouveau monde en Amérique latine, version 2018. Ah, oh, ok, on veut le faire un petit peu à GTA San Andreas avec versus à GTA 5. Un petit... Là, on, ouais, c'est, on aurait comme des flashbacks de Vice City avec des anciennes missions carrément de Vice City, mais oh, remasterisées pour le GTA 6. Puis, on reviendrait au personnage qui serait un personnage féminin. On aurait le premier protagoniste féminin dans GTA. Je sais pas si ça va être encore un espèce de set de trois personnages comme dans GTA 5. Ok, ça va être la Snoop mais... qui va être le personnage féminin. Ah, je sais pas si ça va être elle, mais ça va être un personnage féminin. Ça, c'est ça semblerait être la rumeur la plus confirmée. Ça et la vibe de Vice City. Mais là, il y a du monde qui disent, ouais, mais là, si tu ramènes ça à Vice City, il faudrait que ce soit dans les années 80, sinon ça va être weird. Moi, je suis pas d'accord. Toutes les villes des États-Unis ont évolué avec le temps, fait que je me dis, oui, ok, fine, ça serait encore même plus cool, selon moi, d'avoir des flashbacks des années 80 dans la même map, puis de revenir dans le temps, un peu comme, je sais pas si vous aviez joué dans le temps à Driver sur PlayStation, le Driver 3, c'était comme ça, on avait des flashbacks des anciens drivers, puis on revenait dans les anciens jeux, ben, pour revenir dans le 3. Ça, comme, c'était vraiment cool. C'est comme Grand Theft Auto San Andreas, quand tu y allais avec le Game Shark, puis tu y allais avec des cheat codes, tu pouvais revenir dans la ville de Liberty City en plein hiver 10 ans plus tard. C'était avec accès à la cour, là, mais je veux dire... Le pourquoi est-ce que moi je crois au truc de flashback, c'est que justement, Driver, c'était fait par Rockstar. Fait que ça me surprendrait même pas qu'on utilise cette formule-là pour le Grand Theft Auto. Mais anyway, ils n'auront pas le choix d'en sortir un nouveau éventuellement. GTA, ça marche. Si on s'en va dans, ça marche. Même après 10 ans, 20 ans, ça va toujours marcher. Ouais. Parce qu'il y a toujours du monde qui aime ça faire comme moi, des papas puis se défouler sur ce jeu-là en tuant du monde. Surtout depuis le GTA Online qu'on fait, là. C'est pas tout de suite qu'on va en avoir un. Par exemple, guys, on parle de 2021 ou 2022. Puis même, on parle de late 2022. La principale raison pourquoi on n'est pas prêt d'en entendre parler, ils font encore un shit ton de cash avec GTA 5 online et Red Dead Redemption 5. C'est les deux principales raisons que Rockstar aurait pour ne pas développer plus que ça sur un nouveau GTA. Ben moi honnêtement, je vais t'avouer, ça fait quand même... Si on suit au dernier GTA qu'on fait avant le GTA 5, là, on s'entend qu'il y a eu le GTA 4, ça a pris un bon 7 ans avant qu'on sorte un autre. Là. Puis c'est parce qu'il y avait le mode online pour une première fois, puis le mode online était actif pendant 50 ans. La dernière année, ils ont tombé morts parce que c'était rendu mort, je veux pas GTA, on est sticker, s'il n'y a plus rien qui sort. Mais là actuellement, à cause du RP, GTA 5 a repris des forces, même si c'était en 2013 le jeu sorti, ils ont sorti sur le Next Gen, ils ont sorti sur le PC. Il y a le 5M qui est sorti, puis il y a encore là, tu sais même pas, peut-être que GTA, ben Rockstar sont intelligents, ils vont faire « Hey, pourquoi on n'intègre pas le mode en online, le mode 5M, là, et on va faire un GTA 5 Plus ou un GTA 5 Extension, comme on veut dire, le Vice City c'était l'extension du 3, San Andreas c'est une extension du 3, mais ils pourraient faire une autre extension au 5 qui serait un autre jeu complètement, puis ce serait pas encore le 6, là. » Ben ça, où je me dis, tu sais, aussi, ben ouais, exactement, où je me dis... Ben moi, tant qu'à moi, gardez ça pour le 6, fait des DLC. Exact. Ça pourrait être là, c'est la meilleure passe qu'il pourrait pas faire. Il garde ça pour le 6, il va avoir un super de gros hype, puis tu fais des DLC avec ça, en plus. Tellement. Ça pourrait être tellement vice aussi. Oh, dang. Moi, ce que je verrais de cool, ce serait qu'on voit comme une espèce de la descendance, mettons, des gens de Vice City, puis qu'on ramène un peu la merde qui se passait dans Vice City. Ça, moi, j'aimerais vraiment ça. Moi, pour répondre à Aerofire, qui dit pourquoi ils font pas Fallout 5 ou des affaires comme ça, ça dépend du monde. Moi, honnêtement, je suis pas un fanatique de Fallout, tout simplement. J'ai pas trippé sur les Fallout. J'ai essayé le 4, j'ai pas trippé. Je dis pas que le 3 est pas bon, je dis pas que le 2 est pas bon, je dis pas que le 1 non plus est pas bon.
j'ai pas trippé sur le 4, donc d'après moi, plus on descend, plus on a du temps, plus que les jeux soit sont moins bons ou sont meilleurs. Puis moi, en descendant, j'ai pas plus trippé, j'ai encore moins trippé à cause des... Moi, je suis une personne qui aime ça les graphiques. Faut que je vois les graphiques ou l'amélioration. C'est sûr que si c'est du rétro comme Zelda, je m'attendrais pas à avoir les graphiques de GTA 5 dessus, là. Mais je veux dire... Mais moi, Fallout 3, je l'ai dévoré. Moi, j'ai détesté tous les Fallout, là. J'ai pas l'air de jouer. Ben moi, c'est ça. J'avais jamais joué un Fallout de ma vie. J'avais déjà vu les autres Fallout, puis c'était pas un jeu qui m'attirait. Le 3, j'ai regardé quelques streams, j'ai fait comme, ok, je vais l'essayer, j'ai été chercher des One, puis écoute, ça doit être le jeu, à part Forza, que j'ai passé le plus d'heures à jouer. À part Forza puis Rocket League, que j'ai passé le plus d'heures à jouer. Wow! C'est incroyable. Fait que, on est-tu rendu à notre section, Yeah. Fait qu'on fait-tu rouler ton beau montage pour que le monde le voie? On peut bien faire une petite première en attendant d'avoir les autres. Fait guys, pour une première, on a Tipou qui a créé une banner dans le fond pour intégrer la section techno. On n'a pas encore fait celle du film ni les autres sections, mais pour l'instant la techno est faite. Donc on va l'envoyer tout de suite pour changer de section, guys. Fait que, sans plus attendre, d'aller voir la section techno apparaître. Direct News. Section techno. C'est quand même badass pareil là. C'est quand même badass. J'ai bien aimé moi. C'est pas pire, mais faudrait que tu baisses le son. C'est si fort que ça? Ah, oh, c'est fort. Ok, je vais baisser le son dans ce cas-là next time. Surtout ici là. Surtout là là. Ça va être sorti là, mais ouais, le son était fort. Parfait. Hey David, j'ai essayé Fallout 3, mais je préfère le jeu comme Skyrim. C'est sûr que les jeux comme Skyrim, il y a beaucoup de monde qui préfère ça. C'est une question de goût au final, pareil. Ouais. Puis by the way, salut à toi David. Fait comment vous trouvez l'intro, guys? C'est quand même, ben pas l'intro, mais je veux dire le switch entre la section principale gaming à la section techno. Puis by the way, c'est à moi de parler, hein? Fait guys! Le monde connaît tout la Nintendo Switch, right? Ouais, du moins, la plupart du monde qui connaissent Nintendo connaissent la Nintendo Switch. Et le monde, actuellement, ben en fait, j'ai su par Izia aujourd'hui, j'étais même pas au courant qu'il y avait eu un prototype de ça au début, puis ça a été parlé il y a longtemps. Mais, quand même, quand je l'ai vu tantôt, j'étais comme, oh damn shit, j'ai été lire l'article tout de suite parce que je voulais en parler. Fait que, il y a longtemps, il y a pas en fait, en 2016, là, ça fait pas quand même 2 ans seulement. Il y a AMD qui a fait un Kickstarter pour faire une nouvelle console. Une console qui a l'air quand même vraiment cool, honnêtement. C'est une console un peu à la une tablette de Windows, dans le fond. Je vais vous introduire tout de suite, gars. Je vais vous montrer tout de suite l'image pour vous faire dire comme, what the fuck, c'est quoi. Yo, ça va très bien, toi, Alex, le gentil. Comment tu vas, toi, mon ami? Le gentil! Fait qu'on s'en va full screen, guys. Regardez-moi ça, la Smash Z, du moins, j'espère que c'est le nom. C'est d'autres noms prototypes, pareil. Fait qu'en résumé, guys. C'est comme un peu, on dirait qu'ils ont pris un peu le format du PSP, un peu, à cause de la manière que les joysticks, c'est juste les joysticks, je trouve, sont un petit peu trop gros, je sais pas si c'est un modèle final ou pas, mais il me semble que les joysticks ont l'air gros en tabarnak, ou c'est des speakers. Bon, mais si c'est des touchpads, c'est parfait. Ça a l'air un petit peu comme des joysticks, mais insérés, genre, ils vont juste à peine bouger. Si c'est des touchpads, c'est parfait comme grosseur. Je pense pas que ce soit des touchpads. Moi, je pense que ça doit être des touchpads. Comment tu veux naviguer sur le Windows? Avec le touchscreen. Ah! In your face! J'avoue, hein? C'est sûr que c'est touchscreen, cette histoire-là. C'est sûr que c'est touchscreen. J'avoue que j'ai pas pensé à ça. C'est pas touchscreen, tu la veux pas. By the way, merci à Alex le Gentil pour ton follow. C'est très apprécié. D'autres, bienvenue dans la famille des T-Rex, mon ami. Puis désolé, en passant, si on parle pas beaucoup de... Yes, pis ça on parle pas beaucoup en tant que tel, on interagit pas beaucoup avec le monde, c'est parce qu'en T-Rex News on s'interrompt pas pour pas que ça dure 3 heures non plus, mais on vous répond dans le chat la plupart du temps. Mais là vu que je parle, j'ai pas le temps vraiment de répondre, fait que c'est plus Tipo qui s'occupe de répondre dans le chat. Respire, Natrix, respire. Oui, je respire. T'as déjà eu des fausses donations? Non, pas encore, pis j'espère de pas en avoir. C'est pas le fun d'en avoir. Avec la Smash Z, dans le fond, ils disent que ça pourrait remplacer la Switch, que je suis carrément en désaccord parce que le prix va être déjà over. Puis en plus, comment je présente ça? Vous venez le voir, elle va être disponible en deux modèles
selon ce qu'ils disent, ils vont être disponibles en deux modèles. Une modèle Pro et une modèle normale. La modèle Pro aurait 8 GB de RAM au lieu de 4 GB de DDR4. C'est quand même beaucoup pareil pour une petite tablette. Là. 4 GB de DDR4 ou 8 GB de DDR4, selon ce qui est écrit dans l'article. La Pro aussi aurait une caméra de plus que l'autre n'aurait pas. Fait que pour ceux qui aiment ça streamer, je pense qu'ils risquent d'avoir une possibilité de voir OBS voir jour sur le Windows Home pour la petite affaire si ça vient vraiment. Tu sais, ça doit être des rumeurs. Je sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est vrai cette plateforme-là. J'ai juste trouvé ça cool le fait qu'ils en inventent peut-être un. Ici, allez voir la différence. Moi, je pense que c'est plus un prototype, mettons, qu'une rumeur. Exactement. Selon moi, ça doit être la même chose. Mais les personnes qui ont voulu peut-être des consoles sur le. Ça n'a pas jamais marché car ça la coûte une fortune colossale, ben ça doit être ça. Mais c'est ça, dans l'article, il parle comme quoi que c'est un Kickstarter d'il y a quelques années qui n'a pas fonctionné. Exact. Mais qu'ils vont reprendre cette année parce que finalement, ils pourraient le lancer d'ici la fin de l'année. Mais c'est pas encore sûr à 100%. Non. Qui me l'a fait, ça regarde. Ça regarde, hein? C'est une fausse donation. J'ai screen tout ça. Bon, ben, anyway, T-Rex guys. T-Rex News. Hein? T-Rex News. De quoi ça? Go. Continue ta news. Voilà. Fait que, guys, dans le fond, Smash Z, vous le voyez, il y a deux différences, Smash Z et Smash Z Pro. Les deux vont être propulsés par un AMD Ryzen V100. Il était marqué 1000 tantôt dans l'article, mais bon, V150B. Avec une carte graphique Vega, dans le fond, de AMD Radeon. La Vega, c'est une petite mobile, c'est vraiment tout petit, puis très, très simple. Après ça, comme je disais tantôt, 4 GB de RAM, puis 8 GB de RAM pour les deux. Disque dur plus gros, double dans le fond dans le Pro. Si les deux vont être touchscreen, comme tu disais tantôt, mon cher petit Pro, on le voit qui est touchscreen. Avec un écran de 6 pouces à la 1080p, contrairement à la Switch qui est à 900p maximum. Donc, fait que l'appareil photo, aucune. L'autre va avoir 5 mégapixels. Mais ma question, là. Ouais. Ils veulent-tu vraiment juste concurrencer la Switch ou la 3DS aussi? En fait, peu importe les deux consoles qui vont essayer de viser et concurrencer, ils vont foirer si c'est pour concurrencer. Parce qu'ils réussiront pas. Moi, pour. Ben, first. Combien de personnes ont chiolé actuellement que la Nintendo Switch était chère? Regarde les prix de celle-là. De base. Ouais, mais ça sera pas pareil. Je veux dire, ça sera pas une Switch. Ben, là, ils visent de faire jouer GTA 5 là-dessus, là, sur une petite affaire de même, les sites, là. T'arriveras pas à rouler. Ouais, mais je veux dire, tu pourras pas la jouer sur ta TV, right? Actuellement, non, je pense. Ben, il va y avoir un DisplayPort, fait que tu vas le mettre sur ta TV si tu veux, là, la console. Mais ça reste quand même 700$ pour une console. Qui, dans le fond, est un Windows. Le monde va plus peut-être viser un portable. Un portable gaming. Tu sais, c'est quand même. On s'entend que c'est comme la Switch, comme il disait déjà un moment donné, l'écran est tellement gros que t'as peur de la transporter, c'est pas si mobile que ça. Donc, ça va être encore. Je la donnerais pas à mon kid hyperactif. Exact. Fait que imagine si le prix est encore plus élevé. Comment tu sais qu'il va être hyperactif? Hey, fuck you! Fait que dans le fond, c'est vraiment ça. Moi, selon le. De base, à 699 puis de une version plus élevée, dans le fond, 899, c'est quand même pas donné, tu sais. On s'entend que c'est. Non, c'est clair. C'est pas donné. Mais encore, là, à voir si ça va vraiment voir le jour, first. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut que le prix soit compétitif aussi. Là. Exact. Ça, mais ça peut pas être un concurrent de Switch nécessairement parce que tu pourras jamais trouver un jeu Nintendo là-dedans. Exact. Je pense qu'on va tous vers la Switch aussi pour les grands classiques qu'on connaît. Au final, il va falloir que tu aies les deux. C'est ça. Tu sais, je pense que c'est un PC à moindre prix, portable, tu sais. Ben, c'est un Steam tablette, dans le fond. Hein. Genre, parce que tu vas pouvoir jouer avec les jeux de Steam jusqu'à un certain point. C'est comme le Steam Controller, là. C'est ça. Il faudrait que ce soit des jeux compatibles avec manette aussi. Parce que disons que tu n'as pas de clavier là-dessus. Ben, c'est encore à voir, honnêtement. C'est ça, à moins que tu puisses brancher un clavier par Bluetooth ou par fil. C'est ça, par Bluetooth, c'est sûr, certain. Mais ce que je m'intéresse à savoir, par contre,
c'est est-ce que tu vas pouvoir connecter la Steam Controller dessus, exemple si tu plugs sa TV, pour pouvoir jouer avec l'affaire vu que tu vas avoir. Non. Je sais pas, hein, parce c'est que. C'est sûr que non, parce que ça va te servir de controller. Ben non, si tu l'envoies sa TV, tu n'auras plus de controller, là. Ben oui, tu l'as mains. Bon, mais c'est le fil HDMI, il pourra passer là pour. Tu t'achètes un fil HDMI pareil, là. Ben, ça va passer au Wi-Fi. Peu importe, on va espérer que ça qu'il puisse quand même soutenir la manette de Steam ou une manette normale au Bluetooth. Moi, je suis vraiment sceptique. Je pense que ça va te servir de controller. Probable. Anyway, comme on dit, c'est même pas conçu que ça sort, premièrement. Puis deuxièmement, si ça sort vraiment. Si ça, parce que moi, ce qui me fait vraiment rire, c'est vraiment le titre en haut, qu'on voit très bien ici. Avec la Smash Z, la Switch pourrait bien avoir trouvé un concurrent de taille, parce qu'il n'y a aucune concurrence entre les deux. C'est comme Xbox. Ouais, mais ça, c'est un clickbait. Hein. Xbox PSN, oui, parce que c'est vraiment des jeux pareils, c'est deux consoles pareilles avec des exclusivités. Mais Switch est quand même à l'extérieur de toutes les concurrences. Ça fait que même si. C'est comme si tu dirais PSP versus la Switch. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Oh my god, ça devient boire de l'eau un petit peu, j'avais plus de respiration, j'étais mort. Fait que moi, c'est tout pour ma news sur la Match Z. À plus d'informations, mais qu'il y ait vraiment le. Comment je peux dire, le prototype mis en action en tant que tel. Ça, c'était plus pour toi, ça, je pense. Hein? Yup. C'est ça que je me disais aussi. Fait que c'était pour parler, mon cher petit pro? Ouais. Moi, je vous parle de quelque chose qui va être assez révolutionnaire dans le monde du VR. Microsoft est en train de faire des recherches et du développement sur un éventuel patente patente qui s'appelle les Haptic Links, qui va permettre le retour de force pour les controllers du HTC Vive qui sont développés par Microsoft. Je vous présente un petit peu le vidéo, guys. Dans le fond, c'est que ça va simuler, exemple, si on est en train de tirer avec un gun, comme là on voit, si on est en train de faire un wrench, on va avoir la force, plus qu'on visse la bolt. What? Ou le boulon, plus qu'on visse, on va avoir du retour de force. Fait qu'on voit un petit peu le principe. Il y a un mode free et un mode lock, et ça se fait automatiquement, donc c'est intuitif. Il y a 6 degrés d'intensité au niveau du retour de force. Tout ça tient avec une connexion électromagnétique pour relier les deux controllers. Semblerait-il qu'on sent pas la différence vraiment entre les deux, même que ça améliore vraiment. Là, on voit un petit peu ce que ça donne avec les deux guns. Puis on peut switcher. Là, comme là, il s'est placé en mode shotgun et puis automatiquement le bras capte qui est en mode shotgun et se verrouille pour se mettre en mode arme à deux mains. Même principe pour l'arc à flèche, ça c'est encore wow. En développement. Ça va être le nouveau main spec, si on veut, du retour de force, pour que les degrés d'intensité du retour de force s'ajustent au fur et à mesure qu'on utilise un objet qui en a besoin, entre autres l'arc à flèche. Tout ça, dans le fond, fonctionne au principe de summoning input method, qu'on appelle du côté de Microsoft. C'est une mémoire de mouvement, principalement, fait que on a juste à setter au début. On fait nos mouvements principaux, la machine se set avec notre style de mouvement. Il y a 3 modes qu'on voit là, je vais juste faire un petit rewind pendant qu'on les voit, je vais vous les nommer. On a le chain qui est celui du milieu, on a le layer hinge qui est le premier, celui à gauche, et le ratchet hinge qui est celui à droite. Fait que le ratchet hinge c'est celui qu'on voyait au début pour faire la motion de ratchet. Et le premier dans le fond, le chain, ben c'est pour ici qu'on voit là, quand on veut plus simuler des mouvements là, de conduite. Le chain, lui, va être en mode surtout fusil. Donc ces 3 prototypes qui sont sortis maintenant. C'est en recherche et développement. On n'aura pas ça avant 2020, semblerait-il, du côté de Microsoft. Mais c'est vraiment cool qu'ils sortent ça. Ça va encore plus. Ça risque de révolutionner rien de moins le mode VR. Parce que, comme je disais, on n'a pas besoin d'appuyer sur rien pour changer le mode de verrouiller à main libre. Ça se fait tout seul avec le mode mémoire, avec la façon qu'on place les mains.
ça se fait tout seul, ça change d'arme, etc. Donc, et puis donc là, ce qui reste à le faire, c'est vraiment juste d'ajuster le retour de force, les 6 degrés d'intensité qui puissent s'ajuster au fur et à mesure qu'on utilise un objet. Sinon, le produit est principalement prêt à être commercialisé. Ça fait qu'on risque encore de voir ça très bientôt, mais pas avant 2000. Je me demande une question. Ok, je vais dire une connerie, mais je me demande vraiment la question, ok? Est-ce qu'ils vont l'optimiser éventuellement? Ça, c'est pour le VR du PC, right? Ouais. Fait que, je sais pas si t'es au courant, mais moi, je suis au courant, ok? Comme là, on voit, là, excuse, je voulais pas t'interrompre, mais on voit là, ici, là, il est en train de ramasser comme une espèce de cube. Même ça, là, ça fait que ça va. On va voir, tu sais, comme plus l'objet va être lourd, mais plus on va avoir comme une espèce de pression dans les bras pour lever l'objet ou le bouger, tu sais. Fait que ça se fait automatique. Fait que c'est vraiment cool. Mais ça rajoute justement encore plus à ma niaiserie que tu viens de me dire. Quand tu pognes un objet, ça va faire ça. Ben imagine, ok, il y a pas longtemps, j'ai su que sur Pornhub, il y avait une section virtuelle. Est-ce que si t'as les deux affaires magnétiques, il va détecter comme si tu pognerais la personne? Ah ouais, écoute, tu vas te pogner une fatty, ben tu vas le sentir dans tes joysticks! Oh non, mais ça, je veux tellement le savoir, tu sais, juste. Faut que tu fasses des va-et-vient quand t'es une fille, là. Tellement! Ça devient de plus en plus dur. C'est comme là, il fait du trombone, ben imagine. Imagine ce que tu veux, dans le fond. Non, mais c'était juste une niaiserie, mais en même temps, ça m'ouvre la curiosité. Pourquoi quand même? Oh, Glorious! C'est notre ex-tellement! Glorious, comment tu vas, dude? Oh my god! Fait qu'en gros, c'est ça. C'était ça. Ma nouvelle. Ah, intéressant, sérieusement. J'imaginerais si, exemple, tu l'utilises pour utiliser sur un volant quand tu conduis, ben t'aurais la résistance d'un volant, exemple, mais quand t'as pas le vrai volant, je veux dire. Hey! Matt! No name et Glorious, vous êtes-tu venu à cause que je viens de faire un snap par hasard? Ça se pourrait le plus que je viens de faire un snap. Mais ça se pourrait tellement. Fait que, ouais, ça va de l'air intéressant, pareil. Ça s'appelle le Haptic Link, pareil. C'est pas spé. Mais sérieusement, j'imaginerais la scène, tu sais, la dude, il va vraiment. Ah, on va faire mon premier test, il se met sur Pornhub pour essayer ça. Mais moi, je pense vraiment que ça va révolutionner le monde du VR et en ajouter plusieurs nouveaux adeptes du côté du VR. Parce que c'était un gros feedback que ce qu'il y avait du côté du VR, c'était qu'on manquait de feeling parce que on s'entend que les controllers pèsent rien. Fait que c'est ça, c'était comme ça le gros downside. Fait qu'on va comme le régler avec les haptic links. En vrai, je reçois plus les notifs Twitch. Ben, restez sur Discord dans ce cas-là. Discord, ça reste ça. Arrêtez de muter puis de unmuter là. Ben, du moins, juste la section streaming, pas le reste. Le reste, vous pouvez le muter comme vous voulez. Mais moi, streaming now, unmutez là pour pouvoir entendre les notifications quand je suis en live. C'est la seule place que. C'est le seul salon que je me dis qu'il vaut la peine d'être démuté. Bon, ben, guys, vous avez vu le. En fait, je me demande, ça va être quoi le prix en fait? T'as-tu une idée ou il t'a pas encore écrit le prix? Non, c'est vraiment un prototype, là. On n'aura pas ça avant 2 ans, fait qu'il n'y a aucun prix encore. Oh, ok, ouais, fait qu'on va attendre pour Pornhub. Oh my god! J'entends mal en patience. Eh non, je rigolais. Mais sérieusement, ça va être vraiment très 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 cher, honnêtement, d'après moi, puis ça va aller avec le VR, comme tu dis, mais lequel des deux VR que ça va aller avec? Réponds-le. Une année. Oh, ça fait un an que t'étais. En plus de ça, je m'avais dit à moi-même que, vu qu'on a fait quasiment un an, la chaîne existe. Ben je veux dire qu'elle revit en tant que telle, la chaîne, dans le sens que j'ai dépassé les 3 viewers. Que tous ceux qui allaient atteindre les. Exemple, le 1 an et plus, qui est quand même assez. Comme une petite activité sur la chaîne, quand même pas juste un fantôme, mais je veux dire qu'il est quand même assez actif sur la chaîne. Ben, que j'allais offrir un sub gratuit pour fêter ça. T'es fou! Ben, y'a pas tant que ça. Quand même! Y'en a pas 3000 personnes, non? Non, mais juste 10 personnes, t'as-tu fait le total? J'ai pas dû les activer en même temps. T'as la moitié qui revient à toi. Exact, aussi. Fait que, anyway, tu vas leur revoir ton salaire dans même pas deux. Tu vas leur revoir ton affaire dans 2 mois, fait que. Puis, anyway, ça fait plaisir. Mais la moitié, tu payes pas dans le fond. Fait que, vois ça, là. Je travaille pour vous autres, guys. Je travaille pour vous autres. Je travaille pour vous autres.
Mais ça, je te dis, c'est pas tout le monde qui est followé depuis un an. Là. Il y en a juste une couple. C'est plus vraiment en tant que tel depuis le mois de janvier passé. Là, puis, Et si on a quasi 2 ans? Le plus, c'est que je me le dis tantôt, mais je vais vous en parler tantôt, guys. Juste pour vous le dire tantôt. Mais toi, Nolan, tu as déjà eu ton free sub. Eh ben oui, plus sub, mais non, guys, sérieusement, je disais ça pour niaiser, mais je veux dire, il y a certaines personnes que je leur donnerais pour parce qu'ils ont quand même été actifs dans très actifs pendant longtemps pis tout ça, fait que il y en a quelques-uns que je vais leur activer sérieusement, mais pas tout ça parce que je viens de descendre ma carte de crédit à zéro puis je vais la laisser pendant un mois de temps pour la réaugmenter à 3 000$ pour m'acheter une voiture avec ça. Mais bon. Nice! Mais pour niaiser, mais pas trop. Oh my god! J'oublie les 2 ans. Oh, j'oublie les 2 ans. Il y a tellement beaucoup d'amour dans cette chat-là, c'est fou, hein? Ça fait 123 jours que je suis abonné à toi! À follower à moi, pas abonné. Abonné, c'est avec la petite étoile. Fait que, guys! À moi de parler un petit peu, même si je parle toujours, mais c'est pas grave. Comme vous le savez, pour la plupart du monde qui suivent le Discord actuellement, puis même ceux qui étaient en T-Rex News dernier, on parlait justement, mon plaisir, d'aller voir le film, un film au cinéma. Et c'était le film Black Panther. So, guys! On est allé le voir, puis j'en fais actuellement le review avec vous autres. Honnêtement, guys, je vais vous laisser écouter le trailer à nouveau. Je peux-tu, avant que tu fasses ta nouvelle, mon beau Natrix, on peut-tu donner un shit ton d'amour à Jello dans le chat? Ouais. Yes! Pourquoi? On pourrait-tu lui donner genre un shit ton d'amour parce que il est pas sûr de sa santé, puis il est stressé le pauvre petit. Ah, ben oui! Puis oui. Je comprends ça, puis on t'aime, mon beau. Puis, sois fort, on pense à toi. Ouais, guys, sérieusement, ouais. Jetto, il y a des gros problèmes. Donne-moi à Jetto, guys. Des très gros problèmes, fait que on lui donne le plus d'amour possible. Faites spawner les emotes soit du RAR, soit seulement le RAR en écriture, comme vous l'avez. Parce que je sais pas, tout le monde est sub à la chaîne, ou même des petits cœurs, la petite main et cœur. Mais faites quelque chose pour Jetto, guys. On lui donne du love, s'il vous plaît. Let's go. Tout ça pour toi, Jetto. On t'aime! On espère que ça t'en sortir. De publier une autre news. Ah, oh, tabarnak. On finira pas, Carl. Mais arrête, t'es en feu. Mais c'est pas moi qui est en feu sur l'internet, Carlis. Il sait qu'on est en live, fait exprès de mettre le mercredi. Fait guys, je vous présente à présent le trailer de Black Panther. Fait que let's go. Pourquoi je dis Panther? C'est Panther. Ouais. Avant, j'ai Panther, c'est encore pire. C'est Panther. Y'a même pas de sens, c'est quoi cette niaiserie là? J'ai vu des aliens bon. Tomber du ciel. Mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? Nous on aime l'attendre. Hey, mais je viens de la reconnaître, elle, c'est méchante dans Walking Dead. Wow. La fille qui dit ne reste pas figée. Ouais. C'est méchante dans Walking Dead. Ça se peut. Méchant oui. Ou méchaud? Méchaune. Ah, la fille avec le sable, le katana, là. En fait, j'ai écouté la saison 1 au complet, pis c'est tout. Ah, oh, tu l'as pas connu encore. Exact. Parce que, ouais, c'est quand même mal. Ben là, ça me donne le goût de le voir, si elle joue dedans. Non, mais c'était vraiment une bonne actrice. C'est un des rares films que Kakanatrix m'a demandé comment tu l'as trouvé, j'ai dit excellent. C'est un des rares films qu'elle a eu une réaction sur le film. En fait, seulement un sentiment! Tu veux savoir, moi, c'est parce que je trouve que c'est comme nouveau genre. C'est pas quelque chose qu'on voit comme dans tous les autres esprits de comic book de shit. Moi, si tu veux mon avis personnel, c'est un avis personnel, on se trompe pas quand c'est du Marvel. Marvel, là, c'est pas pour rien qu'ils ont fait leur nom. Ça m'étonne. Quand tu vois des films Marvel, c'est rare, tu vas te retrouver à trouver une plate le film. Moi, je suis comme ça, j'aime les super-héros, j'aime le super-fantastique, fait que je suis comme ça, j'aime les films de super-héros, j'ai toujours été comme ça, puis je me suis jamais trompé avec Marvel,
DC ou n'importe quoi, quand ils sortent un film, la plupart du temps, c'est rare que tu sois déçu d'aller au cinéma et perdre ton argent. Ben, pas perdre ton argent, mais dépenser un petit 20$. Cependant, lui, il va un petit peu en rencontre de ce que j'ai comme pu dire que j'adore. Exemple, je pense que pour prendre Captain America, je pense que pour prendre Iron Man, ça fait quasiment 95% des super-héros. Ce que j'ai aimé de ces films-là, oui, c'est sûr que ça évolue au travers des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 30, 30. Mais le premier film qu'on fait sur ce super-héros-là, ça explique comment il est devenu ce super-héros-là. Et c'est ça que j'ai trouvé plate parce que dans Black Panther, on ne voit pas ça. Tu vois de où ça a été créé en tant que tel, cette affaire-là, le Black Panther. Mais ça explique pas comment que ce héros-là est devenu le Black Panther. Ça, j'étais turn off de ça. J'étais comme, ok, mais c'est pour ça que je vais le voir au cinéma, moi. C'est pour savoir comment. Ouais, mais ça, c'est parce que tu comprends pas comment qui fonctionne Netflix. Ils vont nous sortir une série de 3 films, puis après ça, ben ils vont nous sortir un 4e, un Bring Back to the Before the First Film. Le plus, c'est que c'est tout le même, les essais de film. C'est tout le même, ben c'est sûr. Mais. Puis là, après qu'ils vont avoir fait ça, ben là, ils seront plus contents. Ben, pas en fait, pas ils seront contents. L'histoire. Les fans seront pas contents de l'histoire de son origine. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme Spider-Man, boum, on fait l'histoire. Ouais, ben, tu sais, au moins l'histoire de Spider-Man, ils ont quand même. Tu sais, comme je te dis, toutes les Marvel, le premier des films ont toujours été l'histoire du début. C'est le seul que j'ai vu à date qui fait pas l'histoire du début, c'est sûr qu'il était un peu turn-off. Fait que c'est vraiment ça. C'est plate à dire, c'est un bon film, ça reste un des meilleurs films que j'ai vu à date. Je n'irai pas, mais ce qui m'a vraiment turn-off et qui fait perdre une petite cote pour moi dans mon estime, c'est vraiment le fait que tu sais pas de où ce qui vient, de comment il est fait pour le donner. Oui, on le voit apparaître dans. Captain America 3, je pense, ou le 4, je me souviens plus c'est lequel, en fait, il se bat contre Captain America. Oui, mais justement, le fait de faire un film sur le super-héros, c'est le temps. C'est comme Flash, quand ils ont sorti la série Flash, comme n'importe quelle série de Marvel, DC ou Marvel sur Netflix. Tu les vois devenir ce super-héros-là, tu sais de où est-ce que ça vient. Même si ça existe depuis très longtemps, exemple, il y en a un que je me souviens plus, le super-héros existe depuis très longtemps, c'est juste que tu sais comment il est devenu, lui. Exemple, Doctor Strange. Pour ceux qui l'ont vu, ce qu'il fait comme magie pis tout, ça existe depuis très longtemps, mais tu sais pourquoi il devient de même. C'est ça qui était cool, il est pas devenu de même. Black, tu vois de même. Yeah. C'est le seul petit côté que j'ai trouvé une défaite, mais sinon le reste est amazing. Le film, il y a de l'action à tout casser, contrairement à d'autres, il y a quand même de l'action à toutes les 10 minutes. Là. C'est un film à aller voir sérieusement, guys. Allez le voir. Vous allez pas juger vous-même, mais moi, comme j'ai dit, j'aime ça. Quand on fait une critique, faut être le côté... Bon, et le côté mauvais tout le temps. Je te dirais, le film, c'est surtout sur une histoire de culture aussi, s'ils veulent s'ouvrir ou pas aux autres mondes. Parce que, en écoutant le film, vous allez comprendre pourquoi c'est une histoire de culture. Mais, oui, très bon film, mais comme je dis, moi, c'est ce côté qui m'a fait un petit peu chier, c'est ça. C'est vraiment le fait. Tu sais, moi, mon but, c'est des super-héros, je trouve, c'est de savoir leur histoire, puis. C'est la raison pour qu'on fait un film dessus, tu sais, au pire, dans ce temps-là, tu l'intègres dans les Avengers, pis ça finit là, tu sais, tu le fais dire, gars, ouais. Voici le nouveau Avenger, guys. Ah, ok, c'est cool. On dirait qu'à ce temps, le film des Avengers s'est rendu une porte d'entrée pour un nouveau héros. Ben, en fait, je t'avoue, si t'as vu le dernier Captain America. T'as-tu vu le dernier Captain America? Ben, pas celui qui vient de sortir au cinéma. Aussi. Avant celle-là, il y a eu un film de Captain America, c'était carrément un Avengers, qu'il avait fait, là. Ouais, je pense que c'est le 2 ou le 3. Exact, non, c'était le 2. Exact, c'était le reste, ça. C'est ça que je dis, dans le fond. Mais plus encore l'Avenger, parce que dans l'Avenger, on voit tout le temps un nouveau héros, puis quand tu vois un nouveau héros dans l'Avenger, ben, inévitablement, son film s'en vient. C'est fait. C'est comme l'affaire de Spider-Man. Bon, ben, c'est ça. C'est, ben, voilà. Bien résumé. En effet, David, c'est pas tout le monde qui connaît les comics, mais je veux dire, en tant que tel. Non, c'est ça. C'est. Je veux dire, c'est justement une des raisons de plus. Pas tout le monde connaît les comics. C'est justement le point de Netflix, c'est que. Vu que, parce que on s'entend que tout le monde, les fans finis, connaissent déjà les comics par cœur. Qui savent Black Panther et savoir, c'est ça, ils savent déjà ce qu'on parle là. Mais. Moi qui n'ai pas un fan. Mortel le sait pas. Tu sais, moi, j'aime les Marvel, j'aime les DC parce que c'est des films, des séries qui ont des effets spéciaux, des pouvoirs, j'aime le fantasique. Mais, j'ai jamais lu aucune des BD parce que je suis pas fanatique de manga pis de BD. Fait. Moi, qui est une personne normale, qui écoute la série, même j'ai déjà tenté de vouloir écouter du début de la chronologie, puis en ordre, d'écouter Agent Carter, ces affaires-là. Mais de voir ça dans Black Panther,
Black Panther, j'étais comme God damn it, sérieux là? Au début, je pensais qu'elle allait l'expliquer parce que tu voyais son. Bah, je le dirais pas, je spoilerais pas. Non, ta gueule. Tu voyais quelqu'un, puis après ça, tu vois quelqu'un d'autre. T'es comme, ok, tu vois qu'il y a quand même eu une transition, mais tu sais pas ce qui s'est passé. Fait que c'est ça qui m'a un peu turn off. Mais au moins, tu sais, tu vois qu'il n'a pas manqué, il n'a pas perdu du temps non plus sur le film, mais. Ça reste quand même une histoire de point de vue. Brûlez-le, fuck you, Danny! Fait que c'est pas mal ça sur ma news, sur mon review. Un review assez long, pareil, hein. On est rentré où encore dans nos affaires? Je sais même plus où qu'on est rendu. Allez voir notre liste, parce que moi j'ai 3 écrans seulement, pas 4. C'est au tour à Natrix avec le review d'une série. Ah oui! Tu veux vraiment faire un review de ça? Ben, pas un review, juste en parler rapide, là. C'est pas besoin de faire un review complet, là. Et anyway, la plupart du monde l'ont vu. Natrix qui a failli dire le punch du film. Non, c'est pas un punch. Mais guys, je vais vous mettre une petite vidéo rapide, en même temps de parler un petit peu l'affaire Play mental. Là. Il y a beaucoup de monde qui savent que c'est. Ben, qui suivent le Discord, qui nous entendent souvent parler de ça. C'est une série qui est assez vieille. Puis honnêtement, je le cacherai pas, c'est une série qui est assez vieille qu'on vient de, qu'on a démarré mon Pizia au mois de juin, je pense. Environ juillet. On l'écoutait pendant le temps qu'on soupait et tout, puis on l'a fini en fin de semaine. En fait, très bonne série. Moi, j'ai rien à redire. Fait que je vous présente les Friends, guys, une série faite avec plusieurs bons acteurs, dont notre chère amante, comment elle s'appelle encore, Jennifer Aniston, qui joue dans beaucoup de films, puis honnêtement, là-dedans, elle était jeune. Fait que c'est l'histoire de 5 amis, je pense que c'est 5 ou 6 amis, je m'en souviens plus. Parce qu'il y a Joey, il y a, 6. Il y a Joey qui est con. Il y a 3 gars, 3 filles. Ouais, fait que 6 dans ce cas-là. T'as Phoebe, t'as, en tout cas, t'as Ross, t'as Rachel, Joey, Monica. Hein? Monica pis Chandler. C'est 4 personnages ensemble, c'est 4 amis qui traversent au travers de plusieurs gags dans leur épisode. Dans le fond, tu vois plusieurs choses qui se passent vraiment en tant que tel. Des gags d'amis, des gags de choses qui peuvent vraiment se passer dans la vraie vie. Avec des niaiseries au travers de ça. Donc voilà, on voit des enfants de canards, on voit des niaiseries tout le temps. C'est pas mal ça. Moi, honnêtement, je l'ai bien aimé. Je le recommande au monde. Sérieusement, c'est une série à écouter. Elle est sur Netflix en plus en français. C'est pour ça que je vais faire le review. Elle est sur Netflix en français. Ce que j'aime, c'est que c'est tellement une série qui a duré longtemps dans les années que tu vois au début avec leur look coup de bol de cheveux. Genre. Ah, il était-tu maigre à l'époque, Joey, pareil, hein? Ils sont tout jeunes, tout petits, genre, pis à la fin, quand même, de la série, genre, tu vois qu'ils ont vieilli pis qu'ils ont pris du poids pis, tu sais, même le style vestimentaire. Moi, j'avais hâte de voir ça arriver sur Netflix parce que je voulais commencer à l'écouter. Pis, honnêtement, là, sur le net, c'est un peu une plaie, regarder cette émission-là. Fait que le fait que son. On va être capable de le voir facilement, mais yeah! Ben ouais, sur Netflix actuellement, pis honnêtement, on l'a passé au travers, moi, pis puis des fois, on l'écoutait pour souper, on l'écoutait aussi avant de se coucher, des 2-3 épisodes qu'on enchaînait un après l'autre. J'ai bien accroché, honnêtement. C'est un peu. Ceux qui ont vu la série How I Met Your Mother, c'est pas mal le même principe quasiment. C'est ben juste... c'est ça, exact. Moi, j'ai trippé sur How I Met Your Mother. Hey, c'est pour qu'on se l'écoutera ensemble, après sur Netflix, si tu veux, on se fera des Netflix Party, pis on l'écoute ensemble. Ben, pas de trouble, je me suis déjà tapé 3 fois. Moi, j'ai fait 4 fois, je me tape, mais ils aiment pas. En fait, alors, non, moi, c'est pas qu'elle l'a pas, elle l'a pas accroché encore. Ouais. Mais non, ouais. Sérieusement, c'est vraiment une très bonne série. Est-ce que c'est vrai, c'est vraiment une news la série est sorti... Non, c'est pas une news, c'est un review en fait. C'est pas une news, c'est un review. Ben, c'est une news dans le sens qu'on peut l'avoir sur Netflix aussi. Ouais, ben c'est aussi la news qu'on a sur Netflix, mais je veux dire, en général, c'était pas une news, c'était un review. Non. C'était pas, j'avais même dit, c'est pas une news. Fait que c'est pas mal ça, guys. Très bonne série, honnêtement. Fait que je la recommande à tout le monde, c'est une vieille série, mais qui est quand même assez bonne, pis honnêtement, j'ai pas rien à dire là-dessus, à écouter. Fait que t'as-tu quelque chose à montrer, mon cher? Ah, c'est encore à moi, Colis? Ah, c'est à toi. C'est toi qui finis le show. Ah, c'est moi qui finis ça. Non, en fait, c'est plus Isaac qui m'a parlé de celle-là, je pense. Tu veux en parler de celle-là, mon cœur? La dernière? Pis spoil-le pas, par exemple. Ah, ça? Ouais. Honnêtement, j'ai même pas encore regardé la bande-annonce. Ah, ben tu vas regarder avec nous autres pis t'en parleras au pire. Moi j'ai vu la saison 1 pas plus que ça. Fait qu'on prend pas là ensemble au pire des pires. Fait guys! Guys! Attends, shameless, sans regret. Ce que j'ai écouté en 4 jours cette saison, 2 épisodes chaque, c'est la famille la plus psychopathe du monde. C'est hilarant, sans en
tordant de rire, je te la conseille énormément. Mais tu m'envoies en inbox, c'est Refire, je peux toujours aller la voir, c'est sur Netflix. Ah, c'est vraiment une bonne série. Hein. Moi, j'ai vu quelques épisodes quand j'étais jeune, tu sais, sporadiquement parce que mon père écoutait ça, mais ouais. Il me l'a fortement conseillé quand j'en ai parlé, je voulais l'écouter. Fait que. Fait guys! On parle encore de Marvel, on aurait pu faire une transition, honnêtement, fait ma série avec ça, mais bon, on l'a pas fait. Je vous présente une série, dans le fond, le monde la connaisse pratiquement toute sur Netflix. Sur Netflix aussi, c'est une officielle Netflix. Fait que le super-héros Luke Cage, qui s'en revient le 22 juin sur la saison 2 de Luke Cage. Fait qu'on va écouter la bande-annonce, puis on va parler avec Izzy et elle ensemble, très rapidement, vaguement aussi. Vous pouvez pas me brûler. Vous pouvez pas me faire exploser. Je suis carrément indestructible. Vous voulez me tester? Amenez-vous. Je bouge pas d'ici. Fais-toi payer pour ça, mec. Fais-toi payer. Moi, honnêtement, là. Ta gueule. Va chier. Ben, moi, je te dirais que je suis pas tant hype pour ça. Moi, vous m'avez perdu avec Luke Cage après le cinquième épisode. Pourquoi il vient de finir pour ça? Luke Cage avec le cinquième épisode, qu'est-ce qui s'est passé dans le cinquième épisode de Luke Cage? Ah, j'ai comme perdu l'intérêt. Moi, j'ai adoré Luke Cage. Ben, en fait, j'ai tout adoré finalement, moi, la série Marvel de Netflix, là. J'ai embarqué du début à la fin, là. Puis, je sais pas, j'aime l'ambiance de Luke Cage, le plus dans le côté ghetto de la ville, genre. Yeah. Mais moi, honnêtement, ce que j'ai bien aimé de la série de Cage, ben, first, c'est un super-héros, fait que déjà important, j'aime ça. Le deuxième partie que j'ai bien aimé, c'est que. Comment je faisais ça? Oui, il est très puissant, oui, il est surhumain, mais il y a une limite. Il y a une limite. Je sais pas si vous avez déjà vu la version DC de Luke Cage, un peu Superman, un peu, là, on peut dire, il vole pis tout ça. C'est la seule faiblesse, c'est une pierre. Tu sais, je veux dire. Même quand il se bat contre un aussi puissant que lui, Overpower, qui se fait quasi d'une volée, il meurt pas, là. Mais lui, tu vois qu'il se fait maganer par un pareil comme lui, là. Tu sais, quand un surhumain, là, comme lui, là, il se fait maganer, là. Malheureusement, à cause de Disney, il faudrait. Bon, mais ce qui est normal à quelque part, comme tu dis, il est pas invincible. Va être enlevé avec toutes les autres séries de Marvel. Pas nécessairement, c'était JK en fait. Il y a eu une entente entre Disney et Netflix comme quoi ça restait à Netflix parce que c'est eux qui l'ont produit. Mais qu'après en fait faire la série au complet, qui a fini ça, je pense que la fin est prévue pour 2019 ou 2020, ils auront plus les droits pour continuer en fait les séries Marvel. Mais celle-là va rester. C'est leur propriété. Ça reste quand même poche parce qu'honnêtement, Netflix, ça reste quand même une bonne plateforme. Puis ça a été les meilleures séries qu'on fait à date de Marvel. Disney sont en train de travailler pour sortir leur propre plateforme, style Netflix, mais avec leur série. Mais ce que je veux dire, ça sera pas pareil. Parce que. Non, c'est ça. Studio Marvel a même eu dans leurs statistiques, puis ça a été prouvé par plein des journaux, plein des. Pas scientifiques, mais des personnes qui font des statistiques, que même les films. Fait et tourné par Marvel en tant que tel, ont moins eu de force que Netflix quand ils l'ont fait. Mm-hmm. Juste Daredevil là, a dépouillé non, complètement pas, le pas film. Juste ça, Netflix, on s'entend que tu pourras pas avoir le même contenu. Là. Disney, c'est familial. Aussi, comme la scène dans Daredevil quand il se fait coller une volée puis qu'il se fait décoller dans le sous-sol dans le premier épisode. Il y a des trucs sur Netflix là. Qui sont gore, qui sont Peggy 18 puis qui. Pourquoi pas t'en trouver sur Disney, là? Fait que d'après moi, là, ça va vraiment tuer les séries de Marvel qui sont actuellement sur Netflix. Je sais pas toutes, mais je dis qu'ils sont actuellement là. Parce qu'il y a le Punisher, il y a le Punisher en esti, contrairement au du film, là. Hey, c'est ça! Il y a le Punisher! Comparé à la petite version du film où est-ce qu'il est bien cute, là? Exact! Tu vois que lui a de l'historique dans le système pis qu'il est pas fait. Il porte bien mieux son nom dans la série Netflix. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment. All c'est vrai qu'on fond. S'attache très bien aux personnages, je trouve, dans leur série. Fait que sérieusement, guys, là, j'ai hâte qu'ils sortent, là, j'ai hâte. Quand j'ai fini la saison 1, j'ai fini une demi-semaine, la saison 1, avec le Cage, j'avais déjà hâte à la deuxième saison. Prévu le 22 juin, donc oubliez pas, demain, c'est Jessica Jones qui sort, aussi. Ouais, mais c'est JK, ça va être une série qu'on parle, ce sera pas pareil. Peut-être qu'ils pourraient amener à faire une affaire à Disney, ça serait une section... 18 ans et plus, que là t'aurais les séries Marvel qui sont Eevee qui rentreraient là-dedans. Faudrait que tu prouves ton âge
puis tu pourrais avoir accès. Puis les scènes comme Netflix, ils ont quand même une place channel kids, qu'on peut dire, là. Fait que ouais, je pense que ça reste pas mal de ça qui risque de se produire pareil, mais comme Tipo l'a dit, ça reste quand même que Disney ont leur image à sauvegarder de jeunesse. Donc dans le fond, c'est, ça vise des jeunes plus que d'autres choses. Mais je pense qu'on va voir, anyway, on n'est pas rendu encore là, comme on dit. Ne pas juger avant de voir, fait que il pourrait nous surprendre puis de carrément virer de bord, comme on dit, comme Alex Harris a déjà fait. T'as une petite fille qui faisait des affaires puis elle a viré en cuisse de poulet en deux secondes, là. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur cette affaire-là, mais en tout cas, ça reste quand même qu'une personne peut virer, une chose peut virer du jour au lendemain, fait que on sait jamais ce qui peut arriver. Sur ça, on ferme le stream. Sur ça, on ferme tout, guys, c'est fini. Peut-être que... Là, vous avez fini, hein, je pense. Ben, on a fini les niveaux des news, pas le niveau de la conclusion finale. Moi, il y a quelque chose que j'ai publié que peut-être tu voudrais découvrir ce soir. C'est quoi? Jurassic World Alive. Qui est un Pokémon Go qui va sortir au printemps, sauf qu'à place de chasser des Pokémon, ce sont les dinosaures de Jurassic World qui se promènent dans la ville. Oh, calice! Faut capturer. Tipo a l'air intéressé, bizarrement. The fuck? Veux-tu aller voir la vidéo? On peut pas aller voir la vidéo. Envoie-moi là, je vais l'envoyer sur le Game Capture. Veux-tu te reconnecter de Tipo ou pas? Non, vas-y. Envoie ça. Yes, c'est pas. Je vous conseille une excellente série française, Last Man. C'est excellent, sûrement. J'en doute même pas, même. Tu veux le savoir, oui? Ouais. Ben, dans le staff. Ah, fuck, c'est vrai, faut que je le copie. Je pourrais pas le copier-coller les sites, moi. Fait que le monde la verra pas. Faudrait que tu me l'envoies, ouais. À quoi je veux, comment tu veux que je te l'envoie? Tu peux pas me l'envoyer, finalement. Bon. Ok, je vais me reconnecter. Ah, oui, attends, je peux. Ouais, vas-y, connecte-toi, ça va plus vite. Crossover, en fait, moi j'aurais aimé ça qu'ils fassent un peu à la Ark, mais version Pokémon Go, ça aurait été fucking cool. Même si je joue plus trop, mais ça aurait été cool de voir ça en vrai. Tu dois te construire ta maison avec ton cellulaire, tu te construis une petite base, tu te construis des affaires avec le téléphone cellulaire. Ouais, mais c'était direct ça que je me demandais. J'étais comme, ouais, mais le réalisme là-dedans va être où? Dans les culottes. Ah, voilà, une nouvelle Without Your Phone. Ah, fuck that, la style Apple Watch. Ah, ça c'est une. C'est vraiment de la bullshit, là. Y'a-tu du son? Ouais. Ouais. Vive les accidents à nouveau. Là, tu vas voir comme dans Pokémon Go, tu vas voir un gros dinosaure se parler devant toi, là, pis qu'il n'y aura jamais rien dans le fond. C'est comme, what the fuck? Ah, c'est tout que je savais. Pis là, tu steppes dans la rue pis tu te fais frapper. Hey, c'est c'est moi! Jurassic World Alive. Mais voir. Apple Watch. Oh. Ok. On va se faire bannir, Tiprou. Ok. Cet été, oui, ça va cartonner en hiver, ça va planter, ouais, sûrement. Donc, RSB, on est. Je suis pas convaincu. Non? Moi non plus. Mais c'est exactement un copier-coller, là, on dirait, là, de ce qui... le petit zeur qu'on a vu là, sur le site. Ben, c'est ça, c'est comme on se complique pas la vie, guys. Là, un nouveau Pokémon Go. Là, un Jurassic Go. Genre ça, là, vous capturez des dinosaures. C'est juste que j'avoue ben, que. C'est-tu Niantic qui le fait? Comment je pourrais dire ça? C'est comme Pokémon, t'avais un concept, tu pognais, tu capturais des Pokémon, ça se voyait, tu pouvais capturer. Ben dans ça, Jurassic World, t'aurais dû quasiment dû appeler ça Ark, parce que techniquement parlant, c'est comme tu t'aimerais des dinosaures, là. T'es capturé pas vraiment, t'es tame. Fait que t'aurais pu appeler ça Ark, pis ça finissait là, là. Il aurait fait. What the fuck, avec les ressources en moins. Il envoie plein de pièces, de plus en plus, il remplit le cop quasiment, bordel. Merci beaucoup, CJK, pour tes bits! Le développeur, c'est Universal Studio, Lydia. Universal Studio, plus ça? Ouais. What? Ok. Ben, moi ça m'intéresse pas honnêtement. J'avoue que j'ai plus hâte à Pokémon Go que... Harry Potter Go. Harry Potter Go, hein. Ben, j'ai toujours dit que le best serait d'upgrader Pokémon Go pour qu'il soit plus réaliste. Beaucoup plus complet. Au lieu de faire des nouvelles versions de plusieurs jeux différents. Ça a l'air que ça l'a beaucoup upgradé. Il y a je me souviens plus qui là qui m'a dit que qu'il continuait à y jouer puis que ça a l'air que c'est encore actif pas mal.
Ils ont-tu le moyen de faire évoluer les Pokémon en faisant des combats Pokéball? Non, mais tu sais, dans le sens qu'il y a encore beaucoup de monde qui joue. Ça l'a. Puis là, ils sont rendus Gen 3, je pense, qui vient de rentrer. Il y a des nouveaux items, paquet de nouveaux trucs. Ça a l'air que ça continue d'évoluer. Ouais, mais moi, Pokémon, ça presse Pokémon, ça reste le basique de Pokémon qu'on connaît tous. C'est tu pognes un Pokémon, puis tu le fais évoluer. Ouais, mais moi, je te dis juste que dans le fond, le jeu est encore serait encore vivant. Ah, oh, vivant, oui. Il y a encore du monde qui jouerait. C'est sûr qu'il y a encore du monde qui joue à ça, il y a toujours des personnes... Oui, il y a encore du monde. Des fois, il y a des kids de parents qui viennent à ma job, genre, en fait... Non, il y a des parents qui viennent avec leurs kids à ma job, genre... Des parents de kids. Puis leurs kids font juste se promener dans le bureau à chercher des Pokémon. Parce qu'on est au centre-ville, puis on est entouré de 3 drop-coins, genre, avec des arénas. Fait qu'ils se promènent de 4 coins du building, genre, puis font leur aréna, ils sont tous contents. Fait que, guys, on arrive vraiment à la fin des news. Ouais, on a pas mal fait le tour, Bon Matrix. Ouais, yes. Même un bonus. Ah bah ouais, c'est quand même pas pire. Mais tu sais, je veux pas te tuer, tu me dis de te tuer! Quelqu'un qui dit de te tuer moi, pis tu le tues, c'est pas que tu veux le tuer, c'est quand t'as demandé de le tuer, fait que tu iras en service. Tu sais plus quoi répondre, hein? Quand, merci Hero Fire qui nous cherche du contenu pour les films, très apprécié. Dans le Discord de Nouveautés Films, là. Ouais. T-Rex News. Peut-être pour le prochain T-Rex News, on va le passer par contre. Mais sérieusement, guys, je le dis, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sont présents actuellement. Mais, en fait, je sais pas le nombre de vieux qu'on est actuellement. Mais je veux juste faire un peu les publicités que je suis supposé faire puis que ça se fait pas tout seul. Y'a Dibrou, pour commencer. Y'a Izia qui est ma copine que vous entendez parler. Il y a aussi le... Je sais pas s'il fonctionne, mais je vais essayer de le voir si ça fonctionne. Oui! Ça fonctionne! Le Facebook News, dans le fond, ça là, c'est la page Facebook où que les news sont postées. Vous allez pas... On parlera pas de toutes les news qui vont être postées dessus. Mais, allez lancer un petit follow, guys, sur la page. Mon but, c'est de partager toutes les news qui se passent au complet avec Izia. Donc... Sérieux, ça? Allez, lui, son dernier jeu était point. Pour fêter ma première année! Yes, mon Sajiki! Oui, une belle année remplie de bonheur et d'amour que tu m'as offert, sérieusement. Très apprécié, dude, de t'avoir avec nous autres depuis un an, quand même. Ça fait longtemps. Selon moi, on t'a connu sur du GTA 5 ou sur du Minecraft. Je sais pas sur quoi je t'ai connu. Mais, ça reste que je t'ai connu. C'est bon, on va te laisser dire ce que tu vas faire cette semaine à part de planter sur OBS. C'est pour il rit pas lui, hein. Well, ben demain je continue mes jeudis rétro, épisode 8 avec la suite de Super Mario World. Probablement la fin de Super Mario World parce qu'on est rendu au monde de chocolat. Right. What? Fait qu'on risque de se rendre. En gros, il me reste deux mondes avant de me rendre à Bowser. Fait que je devrais être bon pour finir mon Super Mario World demain. Et puis sinon, ben en fin de semaine, samedi, ben moi, notre excision, on va être au meet-up. Fait que venez nous voir, c'est au meet-up de Montréal. Samedi à partir de 6h, le Twitch meet-up va être officiellement lancé. Et sinon, je penserai pas faire d'autres lives d'ici mardi prochain. Speedrun de Donkey Kong, on se remet dans le speedrun un petit peu. Je veux améliorer mes temps, donc pis ça va donner une chance de tester vraiment OBS, voir s'il va bien de façon smooth avec un jeu qui prend moins de jus. Fait que c'est pas mal ce qui va ressembler à ma semaine de mon côté. Et du tien, Atrix, que va-t-il se passer cette semaine? Samedi. Samedi, gang, c'est vraiment une journée à ne pas manquer parce que, comme j'ai dit, il va y avoir Natrix et Tipu qui vont être ensemble l'après-midi. On va voir ce qu'ils vont planifier. Avant d'avancer quoi que ce soit, Tipu, quand t'as l'intention d'arriver ici? Ben, moi, je vais me pointer en journée, là. Plutôt que t'es là, plutôt qu'on peut faire un live de plomb. Ça? Ben, garde, si tu veux, j'arrive plutôt qu'on fasse un live, je vais m'arranger. Moi, je finis de travailler. Moi, je travaille samedi matin. Je finis de travailler à midi. Ben, fait que, à partir de là, je peux m'emmener ici, me préparer et partir. Go for it, why not? Ensuite, nous autres, on a le meet-up, puis après ça, Tipu, tu reviens à la maison, c'est ça? Yep. Donc, on fait un T-Rex party
slow cam quand même, parce qu'on veut que Tipu soit capable de retourner à la maison, non? Idéalement. Ouais, idéalement. Idéalement, mais finalement, ma soeur ne dort pas à la maison, Latrix. Bon, si tu dormais dans la maison, tu dormiras à la maison. C'est fini, bon. Ça, puis nous autres, le dimanche... Non, je me serais pas fait gros. ouais, ma soeur a été avec... voyons, ma soeur est avec son chum, hein? Pas grave, trip à trois. Je suis ça pour niaiser. Puis dimanche, c'est notre anniversaire, Anatrix et moi, donc on sait pas encore ce qu'on va faire. Honnêtement, y a-tu vraiment quelque chose qu'on allait faire pour... Ben c'est ça, je dis pour l'instant, y'a rien de planifié, on va voir ce qu'on ben, va faire. Ben j'avoue qu'on tombe quand même un dimanche, fait qu'on pourrait se planifier quelque chose, ça dépend si ta soeur est encore là ou pas. Non, ma soeur, elle vient pas ici du tout finalement, elle dort pas du tout ici. Ah, fait qu'elle vient pas du tout ici? Non, elle vient pas partout ici, elle fait juste me dire qu'elle était à Montréal, j'avais mal compris. Wow! Fait qu'on est bien contents. Oh boy! J'ai hâte qu'elle abandonnera jamais cette idée. Elle est tombée dans la mauvaise fin de semaine, ça tentait pas pantoute. Au moins t'es honnête. Au moins t'es honnête. Fait que pour moi, ouais. Honnêtement, guys, comme vous savez, j'ai repris le gym il y a pas longtemps, donc cette semaine, je voulais prioriser une semaine pour vous autres, dans le sens ceux qui sont à l'école, mais j'ai réalisé que... Ben, le monde qui s'entend lâche, c'est normal que vous soyez pas sur Twitch, que vous soyez avec vos amis et tout ça, puis genre, vous voulez pas non plus, c'est normal. Fait que moi, j'ai quand même décidé d'aller au gym pareil, puis d'arriver dans la soirée, peut-être faire un live avec Izia demain ou après-demain, dépendant de la journée, une des deux journées. Peut-être faire un live ensemble sur GTA 5 ou même faire du Just Dance. Mais ce serait plus sur sa chaîne, honnêtement, qu'on le ferait. Just Dance, c'est sur sa chaîne, GTA, ce serait peut-être sur la mienne. On verra d'ici ce temps-là. Pour samedi, ben, on va venir de vous le dire les plans. Moi petit pro, on va se faire un live ensemble samedi. Et en soirée, ben le T-Rex Party. En quelle heure, je sais pas. Mais il va être après le meet-up, c'est sûr. Meet-up, il finit à 11h, mais normalement, on part plus tôt que ça. Ouais, puis les invités, on sait pas qui va être là encore. Max, aussi, c'est Je te l'ai dit, Max, il dit « Quand est-ce le T-Rex News? » Oh my god, à la Max fin. Arrive à la fin. T'sais? Pourtant, ça finit toujours à 9h, 9h15, man! Oh my god, ce qui est drôle, cet enfant-là! Tellement! Oh, Max, je t'aime! Hey, fuck off, sérieux, tu sais que ça finit toujours à ces heures-là, Max? T'as manqué toutes les news! Oh boy! Maintenant, sérieusement, samedi soir, T-Rex Party! Puis le dimanche, ben, comme ils ont dit, c'est notre anniversaire, on est même pas sûr de ce qui va se passer. Fait que, je sais pas si je vais faire un stream. Comme d'habitude, comme je disais, le dimanche, je faisais un stream de rétro. S'il se passe rien, guys, je vais tout en faire un. Si on fait quelque chose, ben j'en ferai pas tout simplement. La semaine d'après, lundi, je vais retaper mon petit IRL que je me suis tapé cette semaine, lundi. C'était super cool. Je vais le refaire, honnêtement. Tantôt, Tipu m'a donné un nom de comment l'appeler. Je me suis dit, c'est quoi le nom tu m'as donné? La ligne ouverte Natrix. Quelque chose comme ça. Mais ça a l'air fucking cool. J'ai le goût de l'appeler de même. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je parle tout seul pendant une couple de temps, puis quand je vois qu'il y a du monde dans le chat qui commence à arriver, puis tout ça, ben j'invite une personne qui s'étend de venir parler avec moi. Une personne, je dis bien, une personne, c'est pas réservé ça ni réservé rien, c'est une personne qui s'étend de venir jaser avec moi pendant une couple de. Peut-être une heure, peut-être même changer de personne, on sait jamais, puis de parler avec cette personne-là, puis à dire des conneries, puis tout ça, c'est juste un stream détente, parce qu'on vient de recommencer l'école, puis la part du monde, puis moi je viens de recommencer de travailler, donc on veut relaxer, décompresser de la première journée chiante qui fait chier tout le monde. Donc, faire 4h c'est une heure normale, jusqu'à 6h, 6h30, peut-être dépendant de la journée, si c'est propre ici ou pas. Quand je dis propre, c'est vaisselle, je parle d'autre chose. Hein. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je voulais juste, peux-tu faire une petite réponse à Matt, s'il te plaît? Ça fait genre une demi-heure qu'il te parle, mais il y a zéro. Pour réponse. Vrai? Oh fuck, sorry dude! C'est quoi qu'il me demande? Il demandait à propos comment ça faisait un an, deux jours qu'il était là, puis après il a changé de sujet parce qu'il voyait que tu répondais pas plus. Puis il dit que c'était son anniversaire en février. Le 26 février, ça, j'avais déjà dit, bonne fête, Matt. Hey, voir que. To you! Hey, mais sérieusement, je suis désolé. To you! Happy birthday! Ok, ta gueule! Happy birthday! To you! Yeah! Mais sérieusement, Matt, pour répondre, je pense que une de tes questions au début, c'était la question que tu veux savoir qu'est-ce qui arrivait après un an. J'y ai pensé, au début, je me suis dit, il n'y en a pas un million en même temps qui sont arrivés sur la chaîne. C'est arrivé graduellement.
Mais aussi, comme le petit pro, ben, on me l'a dit tantôt, c'est sûr que ça risque de coûter cher d'un coup sec. Fait que je vais y aller avec le monde qui ont un certain. Genre, revont en affaires, pour être sûr. Mais je pense que certainement, je vais dire, 50 tonnes d'heures environ sur la chaîne minimum, puis qui ont plus d'un an, qui vont venir juste de faire leur un an. Je peux venir à leur offrir un sub gratuit, genre dans le sens, leur payer leur sub du mois. Fait que dans le fond, exemple, c'est Jiki, lui me dirait, je peux-tu avoir mon prochain mois gratuit, j'y donnerais parce qu'il est très actif. Nous, on aime la même chose, mais actuellement, je peux pas donner tout simplement parce que j'ai ma carte de crédit, comme j'expliquais, est à 0$. Je veux dire, je peux est descendue, est à 0$, je peux l'utiliser comme que je veux. Mais je veux quand même que dans mon historique de crédit, ça passe bien parce que je vais faire augmenter ma carte de crédit au lieu d'être à 1000, la faire monter à 3000 pour pouvoir m'acheter un char avec ça, pour pouvoir me promener enfin, puis pouvoir faire le road trip aussi qu'on voulait faire. Je veux la même chanson pour ma fête. Tellement, Zia. Zia. Wow! No name! Wow! Oh boy! Fait quoi, guys? Je vais checker ça. Pour une nouvelle, guys, pour la conclusion, parce que je veux pas qu'on en va trop longtemps sur le temps, on est en 9h02, fait que je vais juste me réserver quelques minutes pour parler de ça. Je pensais peut-être, basé sur vos heures, créer des levels avec le bot. Exemple, ils disaient, c'est des bébés T-Rex, T-Rex, prépubères, vous affaires là. Vous, j'ai l'intention de peut-être faire des levels 1, 2, 3 et les monter jusqu'à 1 million, selon vos heures. Fait que dans le fond, une personne qui est arrivée à 50 heures va être peut-être level 50 ou 60 ou n'importe quoi de même. Mais ça va graduellement avec vos heures. Fait que je pensais faire quelque chose comme ça, mais pour l'instant, j'ai encore rien fait. Je pensais faire ça éventuellement. Fait que. Juste pour retirer mes QIA, by the way, c'est juste pour ça. Parce que mes QIA, je trouve que ça ne fait rien. Le monde, anyway, je pense que ça fait tout de mes QIA. Fait que, guys. Un gros merci pour ceux qui sont restés avec nous autres. On est combien de personnes? Je vais aller voir comment on est actuellement. Là. On est une dizaine. Là. Moi, je vois 16. Ah, cool. No name. Je vois 10. Il y a Wazan, salut à toi Wazan. Il y a Nelandren, salut à toi qui dit pas salut. Il y a Matt, ben, il a fait deux comptes de Matt. Il y a Max. Il y a aussi Herofire, Galadorian. Tantôt, il y avait aussi David, que je sais plus s'il est encore là ou pas. Parce qu'il y a eu pas mal de peine à soir. Quoi? Tu me dois 13 subs. Comment ça? Parce que j'ai 650 heures. J'ai pas dit que je suis dans le monde d'or, niaiseur, je t'ai dit après un an! Mais ça, 4 years! Yeah! 4 years, for 2 years, man! Ça fait un an, pis j'ai passé mes 50 heures 13 fois! sûrement, je vais être à l'hôtel! De quoi ça, tu vas être à l'hôtel? De quoi tu dis, Rofire qui dit? Demain, si tu lèves sur quoi, Natrix, vu que. Oh, demain si je live, j'en ai aucune idée. Mais si je live, ça va juste être une heure, même pas. Puis peut-être sur ma chaîne anglophone, mais j'ai encore la misère à faire ma chaîne anglophone actuellement. J'ai pas beaucoup de temps, puis je vais aussi prioriser un peu Netflix TV aussi ces temps-ci. Je me suis fait dire par Calabaza que je faisais pas assez de live. Je faisais juste 3 lives par semaine, c'était plus assez. Mais le problème. Okay. Es-tu là à ce soir, lui? Exact, es-tu là? Non. Fait que c'est ça. J'en fais quand même beaucoup, j'avoue que 3, 4 par semaine c'est assez, je peux pas en faire plus non plus, j'ai une vie aussi que je dois vivre. J'ai dit PS4, Chris, je pourrais le faire, mais j'ai pas l'abonnement à PSN encore, PS Plus. Hello guys, je pense qu'on est rendu pas mal à la finale. T'as-tu un mot à dire mon ami? Pour une fois qu'on rentre en... Good night and big balls. Wow, quelle big balls. Les miennes. Oh. On voit que t'as rien fait depuis un bout pour avoir des big balls. Fuck you, c'est ta bonne ma joke. Ah, pour qui? Fuck you, pour moi, t'es très bonne ma joke. Ok. Wow. Oh my god. Je te casse s'il y avait déjà la raidée ou n'importe quoi, mais actuellement. Tu vas voir Joël? Pourquoi je suis pas follow à Joël, moi? Je réalise ça, je suis même pas follow à Joël. Ben chien. Ben! Joël vient pas me voir tout simplement aussi. Fait que, je sais pas, j'ai le goût de prioriser une chaîne qui vient quand même me voir. T'es peut-être pas passé 75 heures de sa chaîne, mais qui est quand même venu une couple de fois. Comme la TVA était venue me voir.
Draco, je sais qu'il est pas en live. Draco, il est pas en live. C'est ça qu'il est pas. J'aurais pu le hoster. Dommage. Parce que Draco, depuis une semaine, deux même, facilement, il vient très souvent quand même. Il doit travailler à cette heure-là, c'est pour ça. Fait que, anyway, guys, sur ça, je pense qu'on va faire un stream de même avec une petite chanson finale. T'as-tu une chanson? Le temps d'une dinde, swing la baquette dans le fond. Ah, ouais, j'ai la version finale. Ah, oh, cool. On va faire une fin, guys. On va pas se faire une fin. Fait que, guys, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis bonne nuit. Je vous adore, guys. On se rejoint sur Discord. Pour ceux qui sont pas sur Discord, venez nous rejoindre. On va essayer de parler le plus souvent. Moi, je peux pas parler dans le jour trop parce que je suis en train de travailler. Mais la plupart du monde serait là. J'aurais pu faire 10 levels! Wow! Ah, sérieux pour le. Ouais, ben, à soir, on n'a pas de sable. Mais le prochain stream, on risque d'en avoir. Là, il me manque 5%. Fait, guys! Je vous dis bonne soirée! Petit prou! On se parle en bac si tu veux. Moi, je vais probablement mettre une chanson. Je vais juste trouver une chanson que je pourrais mettre. Spotify. Copyright. Fait guys, ça va se retrouver d'ici la fin de la soirée maximum en rediff sur YouTube. Surtout pour Max Gentleman qui est arrivé à la fin pour pouvoir le revoir la rediff. Fait guys, là-dessus, je vous dis bonne soirée. On se met sur du Hurricane de Scorpions. Rock you like a hurricane! Wow. Bye bye guys. Je vais pas vous affaire. Je vais pas faire durer ça encore plus longtemps. Wow. Ciao, ciao, guys. Bye bye. Ciao.